Julien Devorex, bienvenue sur Limites. Bah, merci à toi, ravi d'être là bah, Écoute, ça m'a fait plaisir de te voir parce que d'habitude je t'écoute. Ah oui, toi et moi on fait un petit peu le même métier. Un petit peu. On parle de choses qui sont parfois très dérangeantes puisque tu es euh, le créateur, le fondateur du podcast euh, Sismique. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as sorti quelque chose. Et, et franchement, bah ça veut tout dire. Le monde change et on n'y comprend rien. Et Je te jure que je découvre effectivement, euh, parallèlement à la création de ce podcast, qu'au début je me dis ⁇ Ah oh, purée, ça y est, j'ai compris le monde ⁇ et au fur et à mesure que je rencontre des gens, tout comme toi par exemple, que je me dis ⁇ Mais merde, mais j'y connais, mais j'y comprends rien, je suis vraiment qu'au début de la compréhension du, du système. Mais avant, pour les personnes qui viennent d'arriver, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter ?⁇ Alors Julien, donc euh, 42 ans bientôt, euh, donc ça fait 5 ans que, que je fais sismique. Avant ça, j'ai eu un parcours professionnel qui m'a emmené à travailler à Paris, un peu au Brésil, à Hong Kong. Je bossé dans une école de commerce, après j'ai travaillé dans, dans l'industrie du luxe pendant, pendant 15 ans, sur les problématiques de marketing, de digital et de prospective, notamment pour essayer de comprendre comment le, la révolution, ce qu'on appelle la révolution numérique, était en train de changer le monde et en train de changer les entreprises. Voilà, j'ai fait ça pendant, pendant pas mal de temps jusqu'à ce que je tombe sur euh, les sujets qui, int qui nous intéressent aujourd'hui. Il y a à peu près, euh, je pense c'est passé en 2014, quand, quand je vivais à Hong Kong. Et bon, j'ai une prise de conscience pour, euh, euh, du fait que, en fait, bah, j'y comprenais rien. <laughs> tu vois, que, que peut-être que le monde ne fonctionnait pas exactement comme, comme je le pensais, que peut-être cette euh, démarche de prospective euh, qui me nourrissait au quotidien, qui était très technologique à l'époque, euh, très business. N'était pas tout. Et euh, voilà, ça m'a emmené sur, un, sur, un, sur une bifurcation, comme comme ma dire, qui, euh, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un, un podcast et c'est mon métier. Et, et puis voilà, et après, je suis père de, père de deux petites filles, de trois ans et 6 ans. Euh, voilà, je fais plein de trucs. Cette conversation promet d'être profonde, euh, parce que tu as rencontré beaucoup, beaucoup d'experts, et donc forcément, tu as. Un tableau qui est assez complet. Mais avant ça, n'oubliez pas de réduire la qualité de cette vidéo si vous nous regardez sur YouTube. Passez à 480p, mettez le mode automatique, mettez même en dessous si jamais vous voulez. Nos podcasts sont disponibles aussi, je vous le rappelle, sur Spotify, Deezer, la totale. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, et commenter cette vidéo tout au long, bien sûr. Ça nous aide pour le référencement, voilà. Big up à l'algorithme de YouTube. Euh, Julien, est-ce que ce, ce, ce moment, en fait, c'était que tu avais une vision du monde qui était basée un petit peu sur. Euh, SpaceX, comme tu le décris ici, genre la vision d'un monde qui va aller vers Mars naturellement, euh, émerveillé par les prouesses technologiques Ouais, en fait, je ne me posais pas forcément toutes ces questions-là. C'est-à-dire que j'étais. Euh, bah, dans dans l'époque aussi, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans, dans un flux qu'on appelle la, la retrace. Enfin, tu, tu fais ton boulot au quotidien sans te poser trop de questions. Tu es dans la. La planification de assez classique, enfin euh, le modèle classique dans lequel on est en fait depuis, euh, depuis maintenant quelques générations, qui est un modèle de croissance, mmh. qui est un modèle euh, qui, qui met en avant une certaine forme de réussite. Donc pas bah, modèle de réussite, c'est avoir un bon boulot, c'est être promu, c'est gagner de plus en plus d'argent, c'est pourquoi pas aller vivre à l'étranger parce que c'est cool. Euh, et j'étais épa plutôt épanoui là-dedans finalement et ça marchait très bien, tu vois. As, je cochais un petit peu toutes les cases. Donc à Hong Kong, voilà, je raconte ça un peu dans le, dans le bouquin au début, même si c'est pas du tout autobiographique, mais c'était au 50e étage de ta tour, à prendre ton café avec vue sur le truc de Hong Kong. Et puis, tu t'y crois un peu, quoi. Tu vois, t'as as le côté, tu voyages pour aller, euh, euh, tu fais une conférence à Tokyo, et puis après, tu vas à Shanghai. Enfin, tu as, as un côté, vraiment, es, tu coches la case du modèle de réussite tel qu'il est décrit un film américain. Là. Exactement. Et, et, et donc, et c'est donc très grisant, parce que finalement, c'est très intense aussi, parce que tu travailles beaucoup, euh, en plus quand tu es dans un truc comme ça, tu as très peu de vacances. Euh, donc, es, c'est un peu le... le le truc qui était très à la mode il y a quelques années, qui est encore pour beaucoup, beaucoup de gens, c'est « play hard, work hard voilà. ». C'est presque un cliché même de, de parler de… C'est une chanson, d'ailleurs, avec toi. Voilà. Et, euh, et on en est… Euh, donc, j'étais un peu élevé, euh, bah comme tout le monde, si tu veux, dans, dans ce modèle-là de, de réussite. Et puis, euh, et puis par contre, j'avais une particularité, c'était mon, mon travail, effectivement, de m'amener à sortir un petit peu de la tête du guidon, à prendre de la hauteur de vue, parce que je devais digérer des cahiers de tendance, des… Euh, euh, des rapports qui nous disent, OK, où va le monde dans 5, 10 ans, 20 ans, le World Economic Forum, ces mmh, trucs-là, mmh. avec un angle très technologique, puisqu'on était, il enfin, faut se souvenir du contexte, mais on, moi j'ai travaillé depuis 2005-2006 dans le numérique, et c'était un, un sujet extrêmement important parce que c'était une première bascule, pour, notamment pour les entreprises et puis même pour la société en général, avec l'arrivée d'Internet puis surtout du, du smartphone et des réseaux sociaux, il y a quand même un monde qui a basculé, qui a changé. Qui a accéléré. Et ça s'est accéléré, ça a rétréci. On consomme plus l'information de la même manière, on ne okay. voyage plus de la même manière, on ne date plus de la même manière. Enfin, d'ailleurs, le dating n'existait même pas en le, Europe. Ça, le doigt aujourd'hui qui date maintenant, voilà, si je ce que je veux dire. pareil, je n'ai pas connu ça directement, mais je vois, je vois très bien. Et, et donc, c'était déjà une, une, une. Enfin, moi, au départ, c'était je me disais, il y a quelque chose de fou qui est en train de se passer, c'est fascinant, euh, c'est génial par, par certains côtés, tu vois, tout le côté positif. Donc, tu parlais de SpaceX, on n'était pas pas encore, encore là, mais. Toutes ces promesses de on va vers un monde, de, va vers un monde meilleur, il y a plein de choses qui vont s'améliorer, regarde ce que permet la, la croissance égale le progrès. Euh, donc est, enfin, on est encore beaucoup là-dedans, mais ne posez finalement pas trop de questions. Et en fait, c'est plutôt par accident que j'ai commencé à, Et aussi parce que je suis quelqu'un de plutôt curieux. Ouais. C'était quoi l'accident bah, C'est à force en fait, d'avoir du temps pour, euh, pour, pour me renseigner, pour lire mmh. sur, euh, sur ces cahiers de tendance, vois, sur la, faire, faire un peu de prospective. Parce que, encore une fois, je n'étais pas dans l'opérationnel dans du business, donc tu dois digérer, puis après tu dois restituer ça à, au boss de ta boîte qui n'a pas le temps de regarder ça et tu lui expliquer comment internet est en train de changer le monde et comment ça va, comment, comment on va être mangé ou pas. Quoi. À force, tu tombes sur d'autres choses, et tu crées des connexions avec d'autres sujets et puis tu, tu tombes par hasard sur des contenus, ce qu'on appelle la série NDPT, enfin, tu vois le, le, le hasard, et puis tu commences à tomber sur, je, sais pas, je me souviens notamment d'un documentaire sur le pic pétrole, tu vois, à la fin du, la fin de... du pétrole qui datait de, de 2007-2008, puisque c'était déjà à la mode à cette époque-là, avant qu'en fait on enterre un petit peu tout ça avec euh, le gaz de schiste, qui d'ailleurs, qui fait qu'il y en a qui, euh, dont on, enfin on s'est bien foutu d'eux, on est ah, vous pensez que le pétrole était fini Regardez, euh, les, oui, les néo vitreux, etc. Vitreux, oui, vous êtes tous négatifs. » Et puis j'ai tiré un peu ces fils-là, et puis je suis tombé sur l'énergie, puis je suis tombé sur le climat, et puis je suis tombé sur tout un tas d'autres choses qui m'ont d'abord fait dire que, ben, en fait, j'y comprenais rien. Donc, je suis, je suis resté là-dessus. Donc, mm -hmm. c'était vraiment cette prise de conscience. Mais, enfin, OK, en fait, il y a tout ça. J'ai des énormes hier. Je comprends pas ce qui est en train de se jouer. On me demande d'imaginer l'avenir et je vois tout ce truc qui est masse, qui est que du positif, de juste spatial, etc. Et puis, il y a ce truc à côté, quand même, qui, euh, qui est hyper inquiétant, qui n'est pas du tout la même histoire qu'on raconte. Qu'est-ce que c'est? Et ça m'a titillé à tel point que euh, j'ai quitté mon, mon travail, donc, en 2014, démissionné. Ma femme a fait pareil. Et, euh, et on a pris un an pour euh, ouvrir tous ces sujets-là. Je suis vraiment parti en me disant... Okay, C'est un peu aussi la, je, la crise de la quarantaine avant là. J'avais 35 ans. Tu ne sais pas trop ce que tu fais là-dedans. Et, euh, et donc, je suis parti. J'ai enquêté. Et puis, à force d'enquêter, bah, j'ai vraiment ouvert tous les sujets. Et ça fait 8 ans que je fais ça. Et maintenant, j'essaie de con condenser tout ça. Et me... le sismique était le prolongement de ça. C'était un raccourci pour moi. C'était, va parler à des gens qui connaissent mieux que toi. Qui vont ouais. te raconter ce qu'ils voient. Et en le faisant, avec... Euh, mon, ma manière de faire, ça a été de rester le plus ouvert possible, le plus neutre possible, mmh. en me disant que okay, je ne comprends pas, je veux mettre les lunettes des autres. C'est pour ça que je pose toujours en début d'épisode Comment tu regardes le monde Quelles sont les lunettes que tu portes Et j'ai pris les lunettes des économistes, des. des enfin voilà. Des, et des chacun voit le monde à travers le prisme, leur, leur éducation, à travers ouais. ce qu'ils ont appris. Et donc ça te permet effectivement d'avoir un éventail de points de vue et d'avoir du coup ce livre. Alors. Justement, euh, le monde change et on n'y comprend rien, c'est quelque chose vont très vite, de plus en plus vite, on est très vite largué, euh, les métiers se deviennent de plus en plus obsolètes et dans tous les sens. Euh, pourquoi justement on n'y comprend rien Est-ce euh, est qu'on est qu y a compris quelque chose en fait Je veux dire, si je prends euh, l'époque peut-être de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, est-ce que eux mêmes comprenaient le monde dans lequel ils étaient Aujourd'hui, il y a vraiment un point de rupture où tout est devenu ultra complexe. Bah C'est une bonne question parce que, effectivement, pourquoi ça serait différent aujourd'hui Tu peux te dire que quelqu'un qui vit euh, euh, dans son village, au fin fond de son pays, quel qu'il soit, avec très très peu d'accès à l'information, euh, près Internet ou près même les médias modernes, finalement ne voit rien du monde et comprend rien à ce qui se passe. Il a une connaissance du monde pratique souvent. Il ou elle va. Euh, sous, sous, sont les biens, biens, culture, tu connais un tout métier, tout, ouais. tu connais la nature selon où tu vis, tu connais tes voisins, tu as, as une connaissance un peu pratique du monde. Mmh. Euh, Aujourd'hui, paradoxalement, on peut se dire, bah, attends, on a accès à, à une information hallucinante sur le mmh. monde en temps réel. Donc, en, collectivement, en tout cas, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe, on comprend beaucoup mieux le monde. Et même en tant qu'individu... Pour qu'on soit un peu curieux, on a une, enfin, voilà, avant ça mettait des heures à aller chercher l'information. Tu vois, On posait une question à un dîner, euh, il fallait que tu ailles à la bibliothèque pour chercher l'info et en reparler une semaine après. Aujourd'hui, tu l'as tout de suite. Sauf que euh, on arrive à un moment donné où euh, non seulement le monde s'est se com complexifié énormément, c'est-à-dire que finalement il y avait, euh, la réalité du monde était complexe, puisque la nature est complexe d'une manière générale, mais la société humaine était quand même relativement simple par rapport à aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, on a étendu c'est ce qu'on appelle la mondialisation on a accéléré le rythme d'innovation on a construit un nombre de connexions de dingue euh, avec Internet, mais aussi avec les réseaux de logistique avec enfin, voilà, tout ce qu'on consomme aujourd'hui, ça vient de l'autre bout du monde. Le pro, le, notre outil de base qu'on utilise aujourd'hui, là où quelqu'un pouvait limite fabriquer son outil il n'y a pas si longtemps ou réparer sa propre voiture, mmh. tu vois, quand tu était en panne, tu faisais son truc. Aujourd'hui, quelqu'un qui ouvre sa voiture, qui ouvre le capot de sa voiture, il bluffe totalement. Enfin, même le garagiste a besoin de, de, de donc, faire appel au constructeur. C'est trop ta... compliqué, c'est trop électronique. Tu as tout un tas de choses. Notre, notre outil principal qui est le smartphone, oui, oui. Personne, personne, ne, personne ne sait comment ça fonctionne. Même celui qui le fabrique, il n'y a pas une personne qui sait te dire ah. exactement comment, euh, comment le truc va fonctionner. Quoi. Et donc, tu as cette espèce de complexification du monde de, qui nous entoure, d'accélération du monde. De, de, des tendances dont je parle qui sont euh, l'accélération la déconnexion plein de choses on pourrait y revenir qui font que euh, on est un petit peu démuni par rapport à tout ce qui se passe as aussi le truc quoi, tu ça. subis le truc mais tu as aussi une surabondance d'informations tu as plein de choses en fait dont, dont je parle qui font qu'on n'y comprend rien tu as d'abord le fait que comme tu l'as dit finalement on est en tant qu'individu on est de toute façon incapable de comprendre comment fonctionne le monde en son ensemble parce que on ne regarde les choses qu'avec un angle de vue particulier qui est notre propre angle de vue. On a nos caméras qui sont là, qui sont toujours en angle subjectif. Et ça, on a du mal à s'en rendre compte déjà souvent, qui est que quand on se fait une opinion sur, sur un sujet, quel qu'il soit, on se la fait à partir d'une part des lunettes que l'on porte, c'est-à-dire notre histoire personnelle, avec euh, tous les biais euh, qui nous constituent. Voilà, moi, je suis un homme blanc euh, qui parle, qui utilise le français pour, pour construire mon imaginaire, etc. Déjà, tu vois, ça réduit complètement tout ton monde en fait et puis il y a d'autres phénomènes qui viennent filtrer en fait le réel tu as ce qu'on appelle les biais cognitifs qui est que non seulement tu vois l'information qui te rend et qui rentre dans ton cerveau est partielle mais en plus tu vas la trier ce qu'on appelle l'heuristique le cerveau pour simplifier les choses est obligé pour fonctionner obligé de tout simplifier donc tu ne vas retenir que certaines informations euh, tu, ne vas, euh, tu, tu, tu vas notamment retenir les informations avec lesquelles tu es déjà d'accord, c'est le biais de confirmation. Il y, a tout, il y a plus de 200 biais comme ça qui font que on ne voit pas le réel et on ne pense pas le réel et on ne pense pas le monde tel qu'il est. Donc ça c'est la première chose dont il faut se rendre compte, c'est que quand on se construit une opinion sur quelque chose, elle est forcément partielle mmh. et elle n'est pas vraie en fait. On n'a pas raison, on n'a jamais totalement raison parce qu'on ne voit pas tout. Et en plus par rapport à ça, on est dans une époque d'une grande confusion. Puisque tu as les réseaux sociaux qui font qui nous créent les bulles d'information. Donc, bah, pour, pour peu qu'on sache comment ça fonctionne, mais d'ailleurs souvent on ne sait pas. Bah, quand on a son fil d'information, c'est on a que certaines informations qui arrivent à nous qui sont filtrées. Et souvent dans le sens pour nous faire cliquer, pour nous faire rester, pour nous faire euh, pour attirer notre attention. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et et puis on a autre, la manipulation, une couche de manipulation par-dessus ça. Donc ça c'est les affaires Cambridge Analytica avec le Brexit, avec l'élection de Trump qui fait que on va nous manipuler dans un certain sens. Donc ce titre là, le dire que en fait le monde change et on n'y comprend rien, c'est pour poser la chose, pour pour se dire mais OK, calmons-nous. D'une part, le monde va trop vite et il y a trop d'informations et d'autre part, de toute façon, on ne voit qu'une toute petite partie du monde. Donc pour rentrer dans la connaissance, pour nous construire des opinions, faisons-le avec humilité. Et avec une certaine manière qui est de remettre le doute au centre, qui est de remettre l'écoute au centre, qui est de remettre la prise de recul, qui est de croiser les sujets entre eux. Et c'est pour ce que j'essaie de faire, moi. J'adore recevoir des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Mm -hmm. J'essaie de, de parler à quelqu'un qui me dit euh, X, et puis l'autre personne va me dit Y, et les deux sont intelligents, informés. Avec mais ils leur, leur, leur prisme aussi. Et ils ils ont chacun leur prisme. Et, et, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu les reçois et que... Parce que j'imagine que c'est toutes des données que, 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 que tu as emmagasinées pour la réalisation de ce livre. Mais... Est-ce que parfois ils se disent « ah merci j'ai appris un truc » ou alors généralement ils continuent à, à se rediriger vers leur schéma de pensée Moi l'approche que j'ai là-dedans c'est que je ne débat pas, c'est-à-dire que je ne vais pas essayer de, de poser mon point de vue à l'autre personne. C'est une situation assez confortable, je veux dire je suis là pour euh, « explique-moi comment tu penses, mmh. montre-moi quelles sont tes lunettes » et en général c'est mieux quand tu, les, quand tu les connais, quand tu sais que tu es biaisé et que tu es capable d'expliquer quels sont tes biais d'expliquer pourquoi tu penses que tu penses c'est là que ça devient vraiment intéressant sinon c'est une discussion qui est assez vite fermée en fin de compte mmh. tu as quelqu'un qui a un point de vue et tu vas pas pouvoir le faire en bouger voilà ce qui est intéressant c'est quand quelqu'un va te dire je pense ça je crois euh, je crois je sais pas, la, la, que la croissance et est... que parler de décroissance c'est une aberration parce que euh, très bien euh, voilà. bon exemple vois, bon souvent. exemple ouais. tu vois, as des gens dire. parce que bah, pense à un tu penses à mon exemple quelqu'un qui va te parler de, de décroissance quand tu creuses un peu tu vois, on connaît on a connaît tous euh, plusieurs Va te dire en euh, fait euh, bah, si on ne décroît pas on va dans le mur parce qu'il y a des limites planétaires parce qu'il y a un lien entre la croissance et l'économie et l'énergie et que donc on atteint plusieurs murs etc donc il faut absolument soit on va vers la récession soit on prépare ça et ça s'appelle la décroissance et ça se passera mieux ok et donc ce qui est intéressant c'est de savoir quel est le raisonnement derrière quel est le postulat de départ le postulat de départ c'est que il y a effectivement un lien entre la croissance l'économie l'écologie ok et ce postulat tu peux le le déplier si tu veux aller le chercher. Pourquoi Pourquoi tu dis ça Pourquoi tu crois ça ah, mais Il y a des études qui montrent que et puis regarde empiriquement, on a bien vu que, etc, etc. Et puis tu peux aller voir quelqu'un d'autre qui va dire euh, bah oui, mais en fait, euh, le problème, c'est qu'il y a aussi un lien entre décroissance, récession et la guerre. C'est à dire qu'à chaque fois que hein, déjà, on n'a jamais réussi à planifier une décroissance, ça ne s'est jamais vu. Donc empiriquement, on parle de quoi Et puis d'autre part, à chaque fois qu'un pays a été euh, en récession, ça se passe mal. Donc on veut surtout pas ça parce que ça veut dire la guerre. Donc de mon point de vue, il faut à tout prééviter la guerre et, et puis en plus le lien entre mmh. l'écologie et l'économie c'est discutable. Voilà. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est quand tu vois vraiment quels sont pourquoi les gens ne sont pas d'accord entre eux et souvent tu te rends compte que c'est parce qu'ils n'ont pas la même croyance de départ ou la même connaissance nécessaire de départ. Et, et, et voilà souvent c'est ça devient très vite stérile en fait quand tu fais des débats de personnes parce que tu n'arrives pas à les faire parler de c'est comme, par exemple, quelqu'un de droite et de gauche, je vais dire, ah ben moi, je crois que la liberté, si je suis à droite, je caricature, mais je crois que la liberté est fondamentale. C'est vraiment, la liberté individuelle, c'est quelque chose, c'est la valeur fondamentale. Quelqu'un de gauche va dire, moi, je pense que c'est l'égalité qui est fondamentale, qui est au-dessus de la liberté. Et là, tu, tu, ok. Tu vois là où ça, là où ça coince. Après, t'as d'autres couches, évidemment. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien poser les questions pour savoir, euh, de quoi on parle. Et pour ça, l'écoute est fondamentale. Et c'est aussi pour ça qu'on a un problème aujourd'hui, parce que, structurellement, c'est très compliqué de s'écouter. Mais c'est ça, en fait, on a l'impression que tout est objet autour du clic, du like, du commentaire, du partage, du buzz sur les réseaux, du buzz dans la presse et partout. Et que plus tu <coughs> -moi, plus tu simplifies ton message, donc plus tu es noir ou blanc, euh, chaud ou froid, pour ou contre, plus ça facilite euh, la compréhension subjective du public, enfin compréhension subjective je veux dire par là, que plus ça permet au public de... De se positionner facilement et donc, du coup, d'avoir son cerveau le plus longtemps possible. Dans que tu parlais d'économie d'attention, par exemple. Mais, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir non seulement d'où ça vient, ça, et ce que ça crée. Donc, moi, ce que, le choix que je fais en commençant, justement, en, en posant ce postulat, c'est de dire, OK, on va se calmer. Ce que vous allez trouver dans la suite du bouquin, ce n'est pas la vérité. Ça n'est qu'un point de vue sur le monde. Mais déjà, rendez-vous compte qu'à chaque fois que vous abordez ces sujets-là, voilà, il faut prendre du recul mm -hmm. et il faut se détendre. Et ensuite, ce, ce que je fais, c'est d'essayer de regarder, malgré tout, quelles sont les structures qui nous conditionnent. Et une de ces structures, on pour, pourrait y revenir, c'est pour ça que je parle aussi du jeu, en fait, qui, quelles, quelles sont les structures, les règles du jeu. Une de ces structures qui conditionne aujourd'hui le débat public, qui conditionne euh, euh, la vie politique, qui conditionne euh, nos opinions, à tous et à chacun, et notre capacité à écouter l'autre ou pas, c'est la, la technologie, les, et c'est les médias, pour, pour revenir sur ce, sur ce truc-là. Et si on ne comprend pas, par exemple, comment fonctionne un algorithme de Facebook, comment fonctionne l'algorithme TikTok, comment fonctionne cette économie de l'attention, on passe à côté de quelque chose pour expliquer pourquoi, en fait, on se gueule dessus tout le temps. Et pourquoi euh, on n'arrive pas à convaincre les gens sur le climat, et euh, pourquoi on n'arrive pas à changer nos comportements, etc. Parce que, et ça, on n'a pas le temps de le faire ici, mais parce que euh, tout est optimisé pour... C'est-à-dire que c'est des gens qui ont travaillé sur nos biais cognitifs. Quelqu'un comme Baruch Zuckreber a fait des études de psychologie. Le fondateur d'Instagram a, a été, a fait des études de psychologie avec le gars qui avait fondé justement la psychologie à la fin du, des années 90 pour identifier comment manipulation euh, la ça, après ça, voilà. ça des de des la technologie. C'est des gars qui, la télé, qui, qui mais... savent exactement ce qu'ils font. Voilà. Ils se sont dit, en plus, je sais coder. Tiens, je vais pouvoir aller créer des algos qui vont faire en sorte que les gens vont liker, vont rester avec moi, avec moi sur la plateforme et vont, euh, et je vais pouvoir vendre cette attention. Et l'alimenter gratuitement. Et comment ça marche? Il se trouve qu'ils ont bien compris qu'il y avait des choses qui marchaient mieux que d'autres. Donc je te diffuse des contenus que tu aimes déjà, je te diffuse des contenus avec lesquels tu es déjà d'accord, je te diffuse des contenus euh, un peu choc, pour que oh, ça me dérange quand même et tout, que c'est un peu révoltant, tu vois, ça, ça me met en colère, parce que tu vas jouer sur les émotions, et donc tu vas les partager, donc tu vas rester. Et je ne vais pas te, forcément te faire diffuser des contenus qui vont t'enrichir, te faire grandir, te faire réfléchir, parce que ça me rapportera moins d'argent. Et on est aujourd'hui dans ce monde-là, où chacun, non seulement il y a ces réseaux qui fonctionnent de cette manière, et aussi chacun a son écran, et les écrans et les logiciels ont été aussi conçus le swap, tu vois le swap c'est le casino hein. tous ces trucs là la petite roue qui tourne la petite roue hein, qui tourne ça a été inspiré de la machine à sous avec mmh. les trucs qui tournent c'est voulu tu vois le, 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 le geste de swapper c'est le geste de, pareil tac je, 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 je vais tax, répéter, répéter 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 tout ça ça joue sur nos cerveaux mmh. et ça crée la société euh, qu'on a les médias pareil tu vas regarder pourquoi les médias deviennent de plus en plus cons et, euh, et qu'on a de plus en plus de gens sur les plateaux qui s'engueulent et qui viennent et qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent parce que en fait, ça nous amuse, parce que ça nous fait rester, parce que voilà, c est, c est, on revient toujours sur ce l'audience. Et tu par exemple de plus en plus de gens qui vont te dire, notamment les gens qui connaissent très bien les réseaux sociaux, tant que on ne résout pas ce, cette problématique des écrans, des réseaux sociaux, etc., on ne résoudra pas notre problème de, de fonctionnement démocratique. Parce que pour avoir une démocratie qui fonctionne, il faut qu'il y ait une écoute, du dialogue, du, une forme de consensus sur ce qui est en train de se passer, etc., etc. Mais il y a d'autres, en fait, il y a plein d'autres structures à aller regarder. Et c'est ça, c'est un petit peu ça que j'ai voulu faire. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que forcément, ça nous amène à imaginer le monde qui devient, qui se transforme en bien ou mal. Et bien sûr, ceux dans le camp du bien sont persuadés que les autres, c'est le mal et vice versa. Et mais c'est vrai que c'est dangereux dans un monde qui se contracte, qui se transforme, parce que tu en parles de tout ça, hein, on, on va y arriver. Euh, dans un monde où les ressources se rarifient de nouveau d'un certain point de vue et d'un point de vue qui est quantifié. Avoir, des gens, avoir autant de clivages alors que les ressources se raréfient, c'est très dangereux comme, comme situation. Bah, c'est un des... Comment dire C'est Noam Chomsky qui que j'avais demandé, tu vois, c'est quoi les trois enjeux du siècle Donc, Noam Chomsky, un des plus grands penseurs du XXe siècle, linguiste éminent, mais pas que. Et euh, il te dit, en gros, tu as la crise écologique et, et climatique. Tu as euh, les risques de retour de guerre nucléaire, qui, restent, euh, voilà, qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Mm -hmm. Et puis, tu as notre, euh, la perte du, de notre capacité à, à, à raisonner collectivement, en gros. Donc, c'est-à-dire que tu as des enjeux qui sont, sur lesquels on reviendra, qui sont systémiques, qui sont liés à moi, ce que j'appelle un peu le terrain de jeu. C'est ça, c'est à ça que voilà. je veux arriver plus doucement. Et ouais. qui euh, qu sont là en train de se déformer la notion du jeu. Voilà. Hum. Je t'expliquerai pourquoi après, mais. Et puis en même temps, donc tu as des enjeux qui sont planétaires pour la première fois, civilisationnels, euh, puisque maintenant on est, sur, on est sur une civilisation mondiale, il y a eu, eu d'autres enjeux civilisationnels mais qui étaient réduits finalement, géographiquement, qui touchaient moins de gens, là ça touche tout le monde, qui, euh, où on se pose la question de savoir si euh, la civilisation pourra continuer, voire même certains vont dire jusqu'à l'humanité d'ici quelques, quelques dizaines d'années ou centaines d'années. Et en même temps, notre capacité à collectivement raisonner sur ces sujets-là diminue. Parce qu'on se gueule dessus, parce qu'on ne sait plus ce qui est vrai ou pas, on est à l'ère de la post-vérité, parce qu'il y en a qui évidemment jouent là-dessus pour se faire élire, pour nous vendre des trucs. Pour les bien sûr. Voilà, on revient, pouvoir-argent, tu reviens sur ces. Oui, les mystériques collectifs dans le vent partout. Et oui, mais elle est organisée, en fait. Elle est voulue. C'est-à-dire que, sans parler de, c'est pas du tout parler de complot. C'est-à-dire, quand je te parlais d'économie d'attention, c'est qu'à un moment donné, la manière de fonctionner de ces choses-là est voulue. Il y a des gens qui se disent, je veux capter ton attention le plus possible. Aujourd'hui, la capacité d'attention d'un être humain, c'est moins de 8 secondes. C'est moins qu'un poisson rouge. Mmh. Tu vois, parce que, mais parce que on s'est fait hacker nos, nos, nos cerveaux. Et de sortir de ça juste par choix en tant qu'individu en disant, ouais, moi je vais sortir, je, parce que j'ai compris, c'est bon, je sais, je vais m'en détourner, ça marche pas. Parce que c'est... Ça me fait rebondir. Euh, à partir du moment où tu suscites l'ego de plein de gens, bah forcément, c'est très difficile pour les personnes de se remettre en question. Donc en plus d'avoir ce système de manipulation à travers les algorithmes et les réseaux sociaux, mais bah, ton autocritique, est encore plus menacée et encore plus complexe pour sortir de là. Parce que quand tu parles de ça à des personnes, ils peuvent se dire « ouais, mais moi, je ne tombe pas dans le piège de ces réseaux sociaux euh, ». As, 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 as un combo de plein de choses, t as, t as la manière dont es éduqué, et les valeurs avec lesquelles, donc comment fonctionne l'école, l'éducation. Euh, tu as, et puis l'éducation maintenant se fait aussi par les contenus que tu vas consommer. Donc la culture à laquelle tu veux adhérer, la culture à laquelle tu adhères va définir euh, les valeurs que tu te donnes à toi-même, justement pour définir ce qu'est la réussite ou pas. Je veux, je veux réussir dans la vie, ça veut dire quoi réussir bon, Argent, pouvoir, etc. On est dans cette culture-là, on pourra y revenir aussi. Tu as aussi le statut social, c'est quoi le statut social Tu as aussi fin, tout un tas de choses, les rapports humains, comment je traite l'autre, comment je traite les hommes, les femmes, euh, les gens qui sont différents de moi. Et puis, donc cette culture-là, comment elle est entretenue Comment elle est entretenue par les médias, par, euh, qui, qui eux-mêmes dépendent de la structure technologique, etc. etc., etc., etc. Tout ça. Lié, ça crée le système politique, ça crée le système. Enfin, tu crées, tu arrives à un, finalement, tu, tu retombes sur, ce, sur cette civilisation qui, est, qui va déterminer tes choix au final, qui va déterminer tes possibles, qui va déterminer ce que tu penses ou non et ce que tu veux ou non. Et donc, t'es contraint en fait. T'es pas, on peut, pareil. T es, t es pas, le, le, le thème de la liberté individuelle et le choix de, de, de l'individu en tant que pleinement euh, libre de choisir ce qu'il veut faire, ce qu'il veut être. Et hyper intéressant, parce que tu te rends compte que ce n'est pas du tout si simple que ça. Oui, surtout à l'échelle mondiale, une personne voilà. qui vit à Djibouti n'a pas du tout le, la même portée. C'est pour ça que même, même quelqu'un qui, même quand on, quand on prend conscience de ces enjeux-là, et que les injonctions si qu'on qu donne aux individus en leur disant « c'est toi qui es responsable, tu dois changer, tu dois te comporter de telle ou telle manière », c'est évidemment bien plus complexe que ça, parce que tu es sur un système dans son ensemble. Déjà, c'est plus complexe quand on parle d'un individu, mm -hmm. parce qu'on voit qu'on est tous pris, T'as des trucs pratiques. On dit, ah, on dit que je ne dois bah, plus prendre la voiture, mais j'habite à 50 km de mon travail, il n'y a pas de transport. Il bah, okay. bah, y a des réalités. Ah, il ouais. y a plein de réalités matérielles, économiques, infrastructurelles, etc. Et cognitives. Et puis d'autre part, même une fois que t'as dit ça, de toute façon, ça joue sur une échelle qui est bien plus grande que celle des individus. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de la capacité à faire société. La capacité, on va parler de la démocratie, fonctionnement de la démocratie, ça passe par bah, la capacité à débattre, à, à s'entendre et à, à s'accorder au moins sur une vision du réel, même si elle est toujours en partie inventée, s'accorder sur un fait. Et aujourd'hui, tu vois qu'on n'arrive même pas à s'accorder sur ce qui se passe. Tu prends l'exemple du climat, on en est encore à se dire, on voit les faits, on voit une canicule, on dit, ça arrive, ça arrive pas, ok, on est d'accord sur le fait que ça arrive, il fait chaud quand même, on le voit. Pourquoi ça arrive On n'est plus d'accord. Alors après, parler en plus de ce qu'il faudrait faire pour que ça n'arrive plus, c'est encore un autre niveau, tu vois. Ah oui, parler concrètement de ce qui est nécessaire euh, crée beaucoup de réactance et ralentit beaucoup de personnes. Dans tous les livres, on, on capte que tu parles souvent d'un jeu, comme si en fait on était dans une grosse cour de récré, qu'on jouait. Alors c'est drôle parce que moi j'ai toujours un peu cette sensation quoi, en causant aussi ces sujets de, de me dire tiens l'humanité, on est des adolescents. Et que peut-être qu'à un moment donné, on atteindra l'âge de la sagesse, quoique je connais des adultes qui ne sont pas du tout sages. Euh, Explique-moi un petit peu cette notion de jeu. C'est un jeu inconscient, conscient. Un jeu collectif, euh... bah, c'est tout ça. Ok. Voilà. C est, c est, c est, euh, tu peux tirer tous ces fils-là, c'est pour ça que je suis parti sur cette métaphore. En fait, pendant, j'ai mis du temps à trouver comment j'allais rassembler tous les morceaux du puzzle, parce que je voulais parler de justement de condition, d'économie, de. C'est drôle de, de que tu si parles de film, de film parce que t as, t as, sur ta cover, t'as une bande de terre. Ouais, c'est une pelote de laine, en fait. Exactement. C'est une idée venue à celui qui a créé ça, qui, en, parce que à la fin, je dis démêlons la pelote. Regardons de quoi elle est, de quoi c'est fait, en fait. Et la question de départ, au bout d'un moment, c'est en repartant de mon doute, une introduction, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe On parle de fusée, on parle du fait qu'on va aller sur Mars, c'est cool, puis après on parle de fin du monde. Il y a plein d'informations plein contradictoires auxquelles j'ai été confronté, auxquelles je suis toujours confronté. Et, au et auxquelles plein de gens qui sont en train de regarder, voilà. par exemple, notre vidéo, sont confrontés au quotidien. Et, et, et puis plein d'informations, des injonctions et des informations. Et donc j'ai voulu repartir de ce doute avec cette question qui me dit, mais à quoi on joue Qu'est-ce qu'on fait et le jeu, ça fonctionne très bien parce que tu peux t'appliquer à toi en tant qu'individu mmh. et, et à nous tous ensemble. Donc je suis parti de dire, ok, tous les jours en tant qu'individu, par-delà, tu fais des choix. Tu te lèves le matin, tu décides ce que tu vas manger, euh, choc à pic, euh, frostise ou, ou, ou tartine omelette, voilà. euh, café ou thé, tu fais des choix toute la journée. La plupart du temps, ces choix sont plutôt inconscients. Tu les fais machinalement, on a tous des habitudes, etc. Et finalement, tu as très peu de, de choix conscients, ou en tout cas très peu de choix importants à faire dans la manière dont tu vas jouer ta partie. Et puis tu as des gens autour de toi qui jouent leur propre partie de manière subjective. Euh, voilà, Quand tu es en famille, c'est le jeu de la famille. Quand tu es en société, le jeu de la société, ça fonctionne bien. Et puis tous ensemble, c'est le jeu de la civilisation. Civilisation. Je trouvais ça assez rigolo parce que... Quand tu, pour, pour ceux qui sont des gamers, ça, ça fonctionne aussi bien. Tu vois, la civilisation, euh, c'est un jeu vidéo, et puis tu joues, tu construis, et puis tu essaies de faire grandir l'homme avec des nouveaux outils, etc. Donc c'est une manière aussi de raconter l'histoire de, de, de l'humanité. Euh, une histoire moderne, entre guillemets. Et on est amené, individuellement et collectivement, à développer des stratégies de jeu. Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on est qu choisit de... Qu'est-ce qu'on s'autorise à faire Qu'est-ce qui est interdit de faire euh, quel est le, comment on définit le score du jeu ouais. Aujourd'hui, le score du jeu, par exemple, c'est euh, d'avoir le plus, le plus de zéros sur son compte en banque. Tu vois, voilà, là, j'ai gagné au jeu, je suis milliardaire. Waouh, j'ai notre zéro, c'est super. Ou d'avoir le plus d'amis sur les réseaux sociaux, le plus ça. de likes. C'est notre manière de jouer le jeu. Donc, il y a des espèces de métriques comme ça. Quand on est un pays, c'est le PIB. Voilà, le, le taux de développement. Enfin, il y a plein de manières de, de maîtrise. On va dire Ah, ce pays il est le meilleur joueur. Il, est, il a gagné au jeu, du, au jeu, de, au jeu des nations. Et en vrai, on fait ça, on compare, on classe les pays sur le tant d'autres critères. Et, euh, et en fait, ces choix-là, on les fait par rapport à notre compréhension des règles du jeu. Et parfois, on n'est pas d'accord sur ce à quoi on est en train de jouer. Et notre imaginaire, un peu, de ces règles du jeu Ça fait partie. C'est-à-dire que l'imaginaire fait partie de comment on imagine que qu jeu. J'imagine que le. Que le PIB, c'est un truc important parce qu'il y a plein de choses qui montrent que c'est important. Mmh. Parce que ça permet de construire des routes, parce que ça permet de faire des trucs comme ça, quoi. Mais j'imagine que je me crée cet imaginaire que pour moi d'avoir le plus de likes possible, c'est un truc hyper important parce que le statut, c'est hyper important parce que dans la cour de récré, quand même, on va un peu plus me respecter, etc. Mais ça a un impact sur ta réalité, c'est ça. C'est que tu t'es mis comme règle du jeu de faire ça. Et puis tu, à un moment donné, tu mûris ou tu fais autre chose, tu dis En fait, c'est pas si important que ça. En fait, ce qui est important, c'est de, de passer du temps avec mes enfants. C'est ça mon jeu, c'est ça qui compte vraiment. C'est un peu ce qu'on va appeler quête de sens ou recherche. La quête de sens, c'est une redéfinition de, 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 de tes perceptions des règles du jeu et du coup une redéfinition de ta stratégie. Comment maintenant, je vais vivre Ah ben je change de stratégie, je vais plus aller au boulot euh, euh, 12 heures par jour, c'est pas bien, ça ne m'amène pas à un bon résultat, je, re, je revois mes objectifs. Tu fais ça en tant qu'individu. Et donc j'ai interrogé, je me suis dit, ok, est-ce que... On, on sait à quoi on joue en fait. Et quelles sont ces règles C'est quoi ce jeu de la civilisation mmh. Qu'est-ce qu'il constitue Et en fait, tu te rends compte qu'il est constitué d'un tas de choses. Et euh, j'ai commencé par décrire, bah, tu as, as certaines de ces règles qui sont établies, préétablies, qui existaient avant nous, par exemple les lois de la physique. Donc quand tu parles de la physique, du fonctionnement des, des lois dures qui nous dépassent, tu dis, bah, en fait, on est, on est sur une planète où il se trouve que bah, une des règles, c'est quand je lâche le verre, il tombe. Et puis il va tomber à telle vitesse et ça se calcule. Et puis c'est super pratique parce que c'est à peu près toujours la les mêmes règles. Donc on peut tout construire autour de cette voilà. règle. Donc on a des règles super établies qui sont très très stables, qui bougent pas, qui sont même peut-être les mêmes au niveau de l'univers, tu vois, qui nous permettent de faire. Ah, la physique quantique tout, bouge tout, tout. beaucoup de choses, mais ok. Ouais, ouais. C'est une autre perception. On s'est dit on va aller regarder tout petit. Ah, ben, en fait c'est surprenant, c'est pas les mêmes règles quand on regarde au niveau atomique. Surprenant. Il y a d'autres règles qu'on essaie de comprendre avec, avec des règles plus basées sur la probabilité, etc. Et qu'on arrive à comprendre et on fait des trucs qui marchent. Mmh. Basé sur la physique quantique aussi, tout à fait. Sur les satellites, etc. Il y a du quantique mmh. dedans. Et, euh, et donc, donc, on essaie de trouver. La science, c'est ça. C'est collectivement, on va essayer de se réunir pour dire quelles sont ces règles. Et, et puis, on a une compréhension à un moment T, et puis ça évolue, parce qu'on mmh. se trompe aussi. Mais collectivement, on trouve des règles qui fonctionnent super bien, qui nous permettent de développer bah, toute la technologie, euh, Internet, tout ça. Si, et si ça a changé du jour au lendemain, s'il y avait un paramètre qui change, ça s'écroule, tu vois. Ici dans le bouquin, tu n'as que quatre forces fondamentales dans l'univers qui font que l'univers tient ensemble. Euh, voilà. Et donc ça, c'est des, des, des trucs qui sont... C'est intéressant déjà de poser ça. Et c'est ce que font des gens comme Jean-Claude -Co, et trucs comme ça, qui disent ⁇ Oublions pas qu'il y a un truc qui bouge pas, qui s'appelle la le physique. physique ⁇ et... et ne croyons pas qu'en en fait, on pourra les, euh, ne pas les prendre en compte. Et si on ne les prend pas en compte, on se gourre. Donc il y a même ça, si tu veux, tu as des gens sur des, sur, euh, qui ne sont pas d'accord entre eux là-dessus. Et un économiste, il va avoir tendance à oublier qu'il euh, y a ça, etc. Parfois. Et puis, tu as un autre type de jeu auquel on joue, que, que, qui est intéressant à explorer, qui est le jeu du vivant. Qui, euh, qui dépend des règles de la physique, mais qui a ses propres règles. En fait, C'est quoi le vivant C'est hyper intéressant. Tu vois, que, que, comment ça marche Et euh, Tu as, as deux règles principales que, que pour simplifier, as, un, ça va être rester en vie, en tant qu'individu et en tant qu'espèce. Tu vois, donc, as le reproduit qui va derrière. Et puis, tu peux appeler... Euh, S'épanouir dans son être ou euh, maximiser son jeu pendant qu'on est vivant. Donc, euh, pour certains, ça va être euh, se reproduire le plus vite possible. Pour d'autres, ça va être quand même vivre le plus longtemps possible. Et puis, quand tu es euh, euh, un peu plus évolué, les êtres un peu plus évolués, euh, bah, ça va être euh, kiffer au soleil. Euh, euh, et puis, s'épanouir. Il, il y a plein de manières de finir ça pour les humains. Et quand on est tous ensemble, bah, la civilisation, pareil, on s'est inventé des trucs. Mais on vient de ça quand même. Je pourrais te, te développer la civilisation, mais parce qu'il y a une manière de, de, mettre, de regarder différentes couches. Mais c'est-à-dire qu'on dépend toujours nous du vivant. Par exemple, un des, un des principes du vivant, c'est la maximisation du rendement énergétique. C'est hyper intéressant de voir qu'en fait, c'est pas que nous. C'est-à-dire que quand te, tu vas à un jaguar, un euh, jaguar, un guépard, avant d'aller courir après sa gazelle, de manière instinctive, il fait son calcul. Pour économiser de l'énergie. attends attends attends, ça vaut le coup d'y aller ou pas là Tout ouais. ce que là là elle est un peu loin, je vais me cramer, je vais être crevé et en fait je vais pas pouvoir manger derrière, donc ça va me mon rendement énergétique va être va être nul. Et puis voilà elle est assez près, il y va, ok c'est bon j'ai réussi, je, je reprends mon truc énergétique. Mais en fait ça c'est un des principes du vivant qui fait ça partout. C'est le sol, qui tourne vers le soleil, enfin mm -hmm. tu vois. Et nous on est pareil, ça s'appelle le métabolisme. Tu as besoin de, de manger pour rester avec ça. Et ça et on est toujours là dedans et, et c'est intéressant de, de tirer le trait de voir que en tant que civilisation le groupe des individus humains, à un moment donné, ont inventé une nouvelle manière de jouer leur jeu, qui est l'agriculture, qui a amené d'autres choses. Mais on parle toujours de cette recherche de rendement énergétique, de maximisation de sa puissance énergétique. Et tu, et tu peux avoir ce prisme de lecture pour tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Oui, complètement. Parce qu'au final, on trouve des sources d'énergie, des sources d'énergie, mais malgré tout. Et ça, quel que soit le prisme ou l'imaginaire qu'on a pu créer pour être dans ces conventions sociales, hein, que ce soit l'argent, euh, nos, nos, voilà ce qui fait que la justice les droits de l'homme tout ça qui sont des déconstruits qui n'existent pas vraiment mmh. ils existent hein, au sens de notre de notre imaginaire mais pas au sens de, de la planète terre et donc on a décidé de jouer dans ces règles du jeu là euh, mais à un moment donné forcément et euh, t'en parles dans ton livre euh, nos règles du jeu nous amènent certainement à vivre l'époque la plus incroyable de toute l'histoire de l'humanité la plus exubérante la plus la plus folle où on arrive à. Je veux dire, jamais dans l'histoire d'une espèce vivante, on a pu faire le tour de la planète Terre mmh. en l'espace de 12 heures, quoi. Mmh. Euh, elle est un peu plus que 12 heures quand même, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, de se retrouver à Tokyo pour prendre son petit déj, et se dire, oh, tu sais quoi, viens, on, on va à New York. C'est incroyable, mais tout ça, forcément, a des conséquences extrêmement graves, désastreuses derrière. Ouais. Et ça, quel que soit le prisme à travers on le, le, lequel on décide de le regarder. Et, et c'est quoi C'est la conclusion, l'inévitable conclusion. Je n'ai pas envie d'arriver trop rapidement à la fin de ton livre parce qu'il y a des choses positives aussi, mais. Euh, exercice de pensée, euh, malgré toutes les bonnes volontés qu'on essaie d'y mettre, c'est la conclusion inhérente du chemin de la vie de l'être humain sur Terre. M Tellement euh, détruire tout son environnement au profit de, de maximiser l'énergie que... En, en fait, tu as, as un principe, moi, qui, que j'utilise, qui est de une croyance peut-être, hein, mais que euh, rien de ce qui nous arrive n'arrive par hasard. C'est pas qu'il y a... Une sorte de divinité qui, qui veut ça, qui a une volonté. C'est de dire que euh, c'est très en fait, c'est que quand on ne quand on comprend pas quelque chose, c'est qu'on ne comprend pas les causes mmh. profondes. Et que donc, il y a un exercice intéressant à faire, c'est de savoir vraiment pourquoi ça arrive. Pourquoi on en est là Qu'est-ce qui se passe Ne sors pas ce qui est s'il te plaît. Non, non, pas du tout. Okay. C'est. Euh, et d'aller regarder quelles sont les composantes du système. Mmh. Donc tu, tu dédoyottes le système. J'utilise un peu le, une des manières de parler de la pensée systémique, c'est de parler de cet iceberg, et de dire, bah en fait, quand on constate les événements du monde, déjà il faut se mettre d'accord sur ce qui se passe. Donc on passe tout notre temps dans les médias à dire, ah, qu'est-ce qui se passe C'est incroyable, à s'étonner et à jouer justement sur cette attention. Mais finalement, il faut essayer d'aller de, en dessous et de regarder pourquoi ça se passe. Et une fois qu'on a compris les causes profondes, peut-être qu'on pourra imaginer ce qui se passera ensuite. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est un accident, ce truc-là? Est-ce que c'est vraiment un truc totalement improbable qui s'est passé? Ou alors est-ce que euh, ça risque d'arriver? Tu prends un tremblement de terre à un endroit, tu dis, bah, tiens, c'est marrant, euh, pourquoi? Et puis maintenant, on comprend, on sait que bah, c'est sur une zone de faille, donc il y a des chances que ça se reproduise tous les temps avec une probabilité de temps. Ok, on sait un peu plus. Et sous les événements, tu as, as ce qu'on appelle les tendances, qui sont des, des choses qui existent là, qui sont, euh, qui sont présentes. Donc moi, j'en parle de deux, tu as cette grande accélération du monde. Qui fait qu'effectivement, depuis euh, notamment 200 ans, et il y a un lien avec ce que, qu on, dont on a parlé avec les structures, avec l'énergie, etc., mais depuis 200 ans, on est dans cette immense accélération de, 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 de la civilisation. Donc là, on, est passé de, on était 1 milliard en, en 1806, et puis on a une, une exponentielle, ça a explosé, 3 milliards en 1960, et puis maintenant, on a mis 10, 1 milliard de plus en, en 10 ans. Tu vois. Ça se ralentit doucement, mais si tu regardes sur, de, sur 200 ans, on a une exponentielle. Et ça, ça a été permis par tout un tas de choses dont on, dont on va parler. Et puis, tu as un autre, une autre tendance dont je parle, c'est ce qu'on appelle la grande déconnexion. Tu as des déconnexions qui sont en train de caractériser notre époque entre euh, l'économie et la finance, entre euh, euh, nous et la nature, si tu veux, et le monde extérieur, parce qu'on vit en ville, parce qu'on est derrière les écrans, parce qu'on n'est plus en lien avec un certain nombre de choses, entre, euh, entre, aussi, entre, euh, entre nous et nous-mêmes, entre guillemets, tu vois, c'est notre capacité... On, euh, le manque de temps qu'on a pour réfléchir sur nous-mêmes, etc. Oui, enfin, tu as et tout un tas de déconnexions. aussi vis-à-vis -vis des autres. Entre hein. les super riches et, les, et le reste du monde. Oui, les deux environnements différents. De Mais en fait, c'est ça, qui, cette déconnexion et cette accélération font les événements, font. Le, expliquent pourquoi on dépasse les limites. Mm -hmm. Parce que. Euh, voilà, et, en, et en dessous de ça, qu'est-ce qui crée ça Tu as les structures. Tu as les structures de la société. Tu as le fonctionnement de l'économie. On a parlé du PIB, donc c'est quoi le jeu de l'économie Quelles sont les règles qu'on a définies ah bah On a dit que le but du jeu, c'était de croître le plus possible. Donc bah Forcément, on y arrive super bien. Et puis, comme on a dit que c'était ça, bah on a inventé un truc qui s'appelle le capitalisme, qui est le système optimum Pourquoi, pour transformer le monde, oui. pour créer de la richesse, pour croître, pour, euh, pour inventer des trucs, pour innover. Il n'y a pas mieux, on n'a pas fait mieux. Parce que tu fais confiance à la liberté humaine, et puis tu, fais, hein, tu crées des, des, des motivations intrinsèques... Euh, Inclus dans le système, tu crées des rewards qui sont l'argent, etc. Donc ça fonctionne super bien pour faire ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire accélérer l'histoire de la civilisation, si tu veux. Et puis à côté, t'as. Euh... Accélérer sur un court terme. <laughs> ouais, mais après, ça, on y est, si tu veux. Mais en tout cas, jusqu'à présent, empiriquement, on, dit, on, on constate que ça wow, a super bien marché. quoi. On a créé une richesse de malade, etc. Et donc, l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle du développement, ce que certains aussi appellent progrès. Mm. Ça dépend comment tu le définis. Et puis, tu as euh, les structures euh, euh, médiatiques dont on a parlé, les structures technologiques qui font qu'on va dans une certaine, euh, dans une certaine direction. Qui perpétuent la mais, machine aussi. Et non. puis sous ça, tu as, as ce qu'on a dit, tu as les comportements humains. Mm -hmm. Les comportements humains qui, qui une finie, ce sont des hommes, qui mettent ça en place, qui mettent ces structures en place, mais qui sont définis à la fois par le jeu naturel, qui on est, notre métabolisme, de quoi on a besoin, notre cognition, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Euh, tu parlais de euh, de, la de notre cerveau. On a effectivement tendance à regarder plus le court terme que le long terme, etc. Et puis tu as les, nos croyances fondamentales, la culture. Voilà, à quoi on croit Effectivement, si on se dit que euh, rien n'est impossible, que euh, sky is de limites, que euh, euh, les hommes sont supérieurs aux femmes. T'oublies. Euh, 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 tu crées tout un tas de croyances comme ça qui vont structurer, qui vont mettre. Tu vas, bah, tu vas créer. Ouais. Toi, voilà. Et donc ta civilisation va suivre la direction de ce fameux récit, cette fameuse voilà. croyance. Pas que la croyance, justement, c'est pas souvent. On a tendance à simplifier, à se dire que la croyance est, est, est à l'origine de tout. C'est une des composantes, mais en fait, on a créé d'autres structures qui aujourd'hui sont là et nous dépassent presque. Il y a Par exemple, le jeu économique, basé sur une croyance aussi. Oui, mais sauf qu'en fait, on s'est tous mis d'accord à un moment donné pour dire. Euh, L'objectif, c'est le PIB. Voilà. Bon. Et, et, et on s'est aussi mis d'accord là-dessus, c'est parce qu'on a trouvé qu'il y avait une raison à ça. Parce qu'on s'est dit, en fait, c'est quand même cool de, 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 de chauffer en hiver, euh, donc on va trouver le moyen d'aller couper plus de bois, et puis quand même, c'est quand même cool de pouvoir ne pas mourir de faim, euh, donc on va modifier la culture, tu vois, ça vient de loin aussi. Mm -hmm. et euh, mais à un moment donné, on a créé ça, et la question se que pose de savoir, est-ce qu'on peut en sortir donc, On en parlait avant l'épisode, tu as aussi des... Ce qu'on appelle les théories des jeux. C'est pour ça que c'est bien pratique, si tu veux. Mais tu as des dynamiques, si tu veux, qui sont propres au système complexe, qui font qu'il y a des boucles de rétroaction qui se créent. Et que donc tu peux avoir des dynamiques qui se mettent en place, qui échappent, qui sont voulues par personne, mais ça dépend du système. Voilà. comme ouais. ça que la culture bouge aussi. Et puis tu peux avoir euh, des phénomènes qui nous emportent tous, comme euh, ce qu'on appelle euh, la, la reine rouge, mm -hmm. qui, est, euh, qui vient de l'ISOP à merveille, où elle court à côté de la reine rouge. Et pourquoi tu cours ah, bah, Je cours pour rester en place et qui illustre en fait cette idée que on est pris dans des dynamiques notamment entre nations qui qu'à un moment donné si quelqu'un décide de dire bah moi je j'arrête avec le PIB, je décide de, je sors de ce jeu-là, Nouvelle-Zélande, je sais pas, enfin, je sais pas si l'on fait à 100% mais mais ah que non. Euh bah j'arrête avec ce jeu-là, j'arrête je, de mesurer le PIB, il mais tu es gentil mais en fait euh, je te rappelle que tu es avec crédit donc euh, en fait euh, si tu sors de ce jeu-là, comment tu fais pour payer ton truc et puis en fait si tu si tu diminues ta puissance, bah, nous on va te racheter donc, tu perds ta souveraineté parce qu'on est dans un monde ouvert. Ta culture, tout, tout y joue, quoi. Et donc, c'est n'est pas qu'une question de croyance. Mm -hmm. que même si tu updates ça, tu es pris dans des dynamiques, et sans parler de la technologie qui suit son propre cours, etc. Et donc, par exemple, un pays comme la France ou la Belgique qui déciderait d'un commun accord, de se dire « Ok, les amis, on arrête avec le PIB bah, », forcément, avec le, le jeu européen qui n'est pas du tout dans cette ligne de conduite, bah, tu te tires une balle dans le pied. Et donc le pre... C'est-à-dire que le, 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 le fait... C'est ça, que ça ce qui devient intéressant, hein, puisque je voulais arriver sur quelques questions, mais... Euh, aucun pays ne prendra le choix à partir du moment où il est dans l'OCDE, qu'il fait partie de l'OTAN, qu'il fait partie de gros organismes euh, et de commerces internationaux duquel bah, tu te dépends toi aussi. Je veux dire, nous en Belgique, notre industrie pharmaceutique, bon, elle dépend de production euh, chinoise. Euh, nos pommes de terre, elles sont majoritairement, alors, le pays de la pomme de terre, hein, la Belgique, on est réputé pour ça, elles sont, elles viennent majoritairement d'Égypte ouais. euh, et d'Europe de l'Est et du, du coup, on les transforme chez nous. Donc, c'est-à-dire que décider de jouer ce jeu-là, tu peux pas le faire... Euh, en faisant un basculement, tu ne peux pas changer tes cartes en fait. Tu es obligé soit de le faire petit à petit, soit de le faire sans dire. C'est particulier quand même. Hein, en fait, il y, y, y a deux niveaux. C'est-à-dire que tu as un niveau d'analyse qui est que... C'est intéressant de se rendre compte en fait, on parle à tous les enjeux qui on a aujourd'hui, qui sont vitaux, se jouent au niveau civilisationnel. On n'était plus au niveau d'un pays. Totalement. c'est une des premières fois donc qu'on est confronté à ça. Oui, parce Et que c'est intrinsèquement lié. Comme avant, la vie de chaque pays était quand même globalement, pendant longtemps, c'était euh, isolé. Oui. Tu n'avais pas à attendre ce qui se passait, euh, de, de voir ce qui se passait à côté pour prendre tes propres décisions. Tu pouvais faire ta propre révolution, couper la tête de ton roi. Bon, partir à moment où ta production était interne. Il y avait d'autres choses qui se, se passaient évidemment, mais c'était moins interne, comme ça interconnecté. Et donc, pour revenir à ta question précédente, effectivement, il y a, il y a un sujet qui est que la manière dont collectivement la civilisation euh, joue son jeu entre guillemets atteint ses limites. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ces questions ne se posaient pas. Et il se trouve que, ben, on, on s'est tellement développé, on a tellement réussi à maximiser notre puissance, à gagner au jeu de la vie, entre guillemets. À être 8 oui, milliard et avoir l'espérance de que, vie euh, dans l'histoire Non seulement on a pris, enfin, qu'on qu n'ait pas ses limites. Donc on a pris toute la place. Donc au passage, on a désingué des millions de joueurs qui sont au reste du vivant, entre guillemets, tu vois. Et puis, euh, et on est en train de déstabiliser le, le, le système Terre. On est en train de niquer le terrain de jeu. Et on est en train de, on s'en rend compte maintenant, on commence à le mesurer, on se dit, attends, attends, le notre truc, euh, moi je prends la métaphore aussi le maritime, mais on est, on est sur nos bateaux, on navigue, on, on va super vite, c'est cool. Et puis notre plan d'eau, il est en train de bouger. Là. Et on voit qu'il y a des vagues qui commencent à arriver, on se dit, ouah, attends, est-ce que c'est nous qui créons les vagues là Qu'est-ce qui se passe On était tranquille depuis hyper longtemps avec un. On pouvait se concentrer sur la course, avec tant de compétition, à regarder, tiens, optimiser la technologie de notre bateau, discuter, de maintenant, bon, c'est la voile, c'est cette voile. Ouais, ouais. Et puis on voit des trucs qui commencent à bouger. Donc l'environnement qui était super stable depuis des siècles, finalement, mm -hmm. euh, même des millénaires, c'est-à-dire le monde naturel, entre guillemets, en gros, depuis la dernière glaciation, euh, bah, change. Donc tu as le climat, mais tu as le reste aussi. Tu as tout, bah, les, la nature des sols qui change, les océans qui sont vidés, le vivant qui est détruit. Donc, tout ça, donc toute cette stabilité est en train de se défaire. On a créé des boucles de rétroaction positives, des, des trucs d'emballement. Et puis tu des points de bascule, etc. C'est aussi pour ça que c'est important de comprendre comment fonctionne le jeu. Et donc on est là-dedans, on a créé ça collectivement sans vraiment le vouloir, parce qu'on est embarqué dans ce truc-là. Et donc la question se pose de savoir à quel niveau on peut arrêter le truc. Est-ce qu est -ce qu est -ce que c'est au niveau des idées Mais si oui, par quoi ça passe Comment on fait pour changer nos croyances à grande échelle collectivement est-ce que c'est Est-ce qu'il suffit qu'un pays bouge pour que le reste suive Mais on voit que c'est quand même super imbri imbriqué et mmh. que euh, euh, et puis même c'est compliqué de mettre quelqu'un en pouvoir qui va avoir cette euh, qui va bouger dans ce sens-là parce que tu as aussi le jeu de politique c'est-à-dire que c'est quand même bizarre que tous les gens qui arrivent en situation de pouvoir aient à peu près la même manière d'être la, la même manière de se comporter C'est un et, peu d'un dans, dans, ou... qu en quelque sorte mais c'est-à-dire qu'en fait ils ont gagné au jeu de la puissance politique mmh. Tu, tu, veux, tu reviens sur une idée de puissance. Une des personnes qui m'avait le plus marqué, c'était Richard Heinberg, dans les personnes que j'ai interviewées, qui, euh, qui m'a donné cette idée d'écrire le monde au travers du prisme de la, de la puissance. Il a écrit un livre qui s'appelle Power. donc euh, Pouvoir et puissance, en anglais, c'est intéressant aussi que ce soit le même mot, parce que tu peux, tu peux ramener ça à la physique, tu peux ramener ça à, la, à tout un tas de choses. Et qui, qui t'explique le, est... le monde comme une logique de, aussi de rapport de force, mais surtout de... De, de, de direction vers toujours plus de puissance. Et donc on serait, en tant qu'humanité, en overshoot de puissance. On est devenu surpuissant. Une partie de l'humanité. Une partie de l'humanité, tout à fait. Tu as raison de le rappeler. C'est-à-dire que tu parles, on peut, moi je parle collectivement de l'humanité comme un, un gros machin, tu vois, un gros bibin mmh. C'est le super organisme. C'est comme une espèce d'animal qui s'est créé et qui a, euh, j'ai que ça Nate Haggins, et qui dont le but est de croître. Et plus personne en fait ne contrôle ce truc-là. C'est ça, parce que même ceux qui sont tout en bas de l'échelle, ils, ils, ils veulent croître. Oui. Alors, il se trouve que en réalité, tu peux, tu peux contre-argumenter en disant, mais finalement, est-ce que c'est pas les quelques milliers de personnes extrêmement puissantes qui ont la main pour changer les choses C'est-à-dire que si euh, Bolloré euh, dégager euh, l'Afrique, etc., exemple, ouais, et puis ouais. dégager l'Afrique, et puis changer son truc médiatique. Si euh, Zuckerberg se disait tiens, je vais faire un algorithme qui va vraiment aller euh, aider les gens à, à se parler entre eux, à se respecter, etc., mm -hmm. le monde changerait. Oui, mais elle, oui, euh, il changerait. Le sujet, c'est que euh, ces, ces personnes-là, si elles changeaient leur manière de jouer, pensent qu'elles seraient perdantes. Donc elles ne le font pas pour des raisons individuelles du coup. Parce qu'elles ont gagné au jeu de la puissance t'es arrivé, t'es milliardaire, tu, tu dis mais pourquoi je change ma manière de jouer en fait J'étais super fort, j'ai gagné. Et pas... qu'est-ce qui pourrait faire basculer les règles du jeu je vois, très bien, donc, euh, je vois très bien ce que tu dis, mais alors du coup qu'est-ce qui pourrait faire gros, pour basculer On est un peu coincé, pour, ça, pour dire, on... ce que je vois c'est qu'on est quand même vachement coincé. Est-ce que les règles du jeu peuvent bouger à partir du moment où les milliardaires perdent parce qu'ils se sentent protégés par leur fortune et tout ça Alors tu as plusieurs manières de voir le sujet, moi j'ai pas du tout la réponse, hein, mais tu en as qui vont te dire bah, il faut leur faire peur, il faut faire la révolution. Donc, faut commencer à ne plus... Ont-ils euh, euh, peur Ou ils est... se disent, c'est bon, on contrôle tellement les masses avec nos médias, nos plateformes... Exactement, une question qui est de dire, ok, tout est rapport de force, euh, tout est politique, tout est rapport de force, tout est social, entre guillemets, donc euh, les choses ne bougent que quand il y a des rapports de force. Et donc on parle du fait que bah, si on a eu les droits qu'on a aujourd'hui, les retraites, tout ça, on est, on est en plein dans l'actualité. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui euh, se sont bougés, qui ont été dans la rue, etc. Et ça, en fait, c'est une lecture de l'histoire, déjà. Mm -hmm. C'est pas forcément la réalité. Et tu peux te dire, bah, je t'écoutais, jean sur, sur qui, qui parlait à ton, à, ton, à ton podcast, enfin, ton podcast, ton émission, ouais, c'est les deux, et euh, qui disait bah, tu as une manière de comprendre, par exemple, le féminisme et l'évolution des choses, c'est d'intégrer euh, la composante énergétique mmh. dans le truc. C'est une des composantes. Donc, c'est jamais aussi simple que du pur rapport de force. Et le fait est qu'aujourd'hui, de manière inédite, on a une structure de rapport de force qui est totalement en faveur des plus puissants. Tu as des gens qui ont accumulé une fortune qui n'a jamais existé dans l'histoire. Avec une maîtrise de l'influence médiatique et de l'influence des masses, qui n'a jamais existé, il y avait pas ces outils-là. Et avec une maîtrise de la technologie, et de plus en plus, on parle d'humain augmenté, de l'intelligence artificielle, etc., qui fait que finalement, tu as une manière d'activer cette puissance qui ne dépend pas du choix du peuple ou des individus. Donc tu as, et, et finalement, tu as plein de gens aussi qui sont là, qui ne veulent pas que ça bouge. Mmh. Et de plus en plus, même, qui pensent que de toute façon c'est foutu, c'est trop tard. C'est une belle prise d'otage, quand même. C'est une prise d'otage, et ils se disent Moi, l'analyse que je fais, c'est que de toute façon, ça ne dépend pas de moi en tant que milliardaire, que chef d'État. Je suis moi-même pris dans un système. Si je fais ça tout seul, de toute façon, quelqu'un d'autre prendra ma place. Tu vois, c'est le patron total qui dit, ah, Je le fais parce que de toute façon, sinon, je me fais virer, et puis quelqu'un d'autre le fera à ma place, tu vois. Et donc, tu le fais pas. Parce que tu, tu as aussi l'illusion, mmh. je pense, que tu vas t'en sortir mieux que les autres. Ouais. Enfin, okay. C'est okay. pas l'illusion d'ailleurs, c'est vrai. Tu ça. sors mieux que les autres. Ouais. Mais tu vas te dire, euh, ils ont tous leur plan B, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Hein. Ducarbert est à son île à Hawaï, euh, ils ont tous des terres en Argentine, euh, voire ils veulent aller sur Mars. Dingue, hein. des, euh. Donc tu as cette espèce de truc qui est un peu... Euh... Ils ont leur euh, jet de sauvetage, quoi. ils ont leur parachute. Ouais, Au cas où que ça merde. Douglas Rushkoff, euh, c'est Escape of the Richest, que j'ai reçu d'un sismique, qui n'a pas encore diffusé, qui, qui a rencontré tous ces gens-là et qui disent... Ils, ont, ils, ont, ils parlent de The Event, l'événement. Ils ah se ouais. préparent tous c'est un événement, une catastrophe. Mmh. Ils ont tous leur. leur... Donc, tu es coincé. Euh, pas, je ne saurais pas te dire aujourd'hui par où ça passe. Ce que je peux te dire, c'est que je crois que c'est salvateur, euh, je peux me tromper encore une fois, de regarder les choses dans toute leur complexité mmh. et de ne pas céder à ce truc. Qui est de dire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça la solution. Il suffit de renverser les tables politiques, il suffit de changer le gouvernement, il suffit de changer le PIB, il suffit de décroître, etc. C'est pas qu'on ressemble l'herbe ailleurs, hein, si je peux me permettre. Et je, exactement. Mais moi, ma conviction, c'est de dire que le truc est tellement complexe, tellement. Enfin, euh, c'est une toile, tu vois, tout se tient partout, et en plus tellement mondial, que. Euh, ça ne viendra, si tu veux, une forme de changement ne viendrait que si tu réétablis la capacité du débat et donc que tu prends du recul par rapport à ta propre conviction que c'est ça la solution. Parce que personne tout seul n'a la solution. Du coup, la question est est-ce qu'on peut changer le système On voit très bien à quel point c'est une toile complexe et moi j'aime bien toujours me dire, ah Vince, regarde un peu dans le passé pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a créé les changements et souvent, euh, bah, les changements sont passés par des graves crises, métacrises, par des moments de basculement. Plus ou moins lent, euh, parfois très très lent. Des effondrements d'espèces de, vivantes sur Terre. Bon, il y en a eu cinq, on a la sixième. Euh, ça prenait à l'époque, euh, aux périodes précédentes, quand même des millions d'années hein, cette période d'extinction. D'ailleurs, nous sommes au en fait au final aujourd'hui, euh, l'anthropocène a exacerbé une Un extinction ouais. qui était déjà en cours depuis euh, <laughs> environ deux millions d'années. Euh, les empires romains euh, ont mis longtemps, des, parfois des centaines d'années, pour s'effondrer. Tous les empires. Mais c'est là que j'arrive sur un petit exercice de pensée de me dire ouais mais OK mais le monde était plus lent. Les informations étaient plus lentes, tout était plus lent, le système économique était beaucoup plus lent. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où un système lent s'effondre sur 10, 20, 30, 50 ans ou parfois quelques mois, mais dans un système rapide, est-ce que justement son effondrement ne peut pas être rapide à partir du moment où euh, voilà, on disait les Zuckerberg et tout, ils attendent 10 events, le moment où qui pourrait venir d'un problème climatique, un problème de biodiversité. Un problème mondial dû à un crash boursier, de mmh. guerre, de conflit, tout ce que tu veux. Euh, est-ce que justement, ou d'attaque nucléaire, est-ce qu'en fait, notre, la rapidité, la puissance de notre civilisation ne va pas en fait amener à son anéantissement le plus rapide dans toute son histoire Ou on est aussi sur une érosion qui est déjà en cours et qui peut prendre du temps Excuse-moi, je suis un peu manichéen, je te fais yin ou yang, là ou l'autre, mais je voulais un peu avoir ton sentiment là-dessus. Est-ce qu'on peut changer et nous adapter tranquillement en se disant ⁇ Ok les gars, on y arrive par des rouages ⁇ ou alors ⁇ Non, en fait, il faut vraiment que ça bascule net pour de là construire le monde d'après bah, ⁇ Le fait est que on est en train de dépasser les limites, on a déjà dépassé les, passés, les passés limites du, du système et on l'a fait extrêmement rapidement. Tu vois, as la vitesse à laquelle on a on a saturé l'atmosphère de CO2, la vitesse à laquelle on a mais vidé les océans, fond, tout ça. Ouais. Très sur, tu regardes, mais c'est hallucinant. Ah, c'est un cocktail. Hein. Je regardais le, le, le truc là, c'est je crois que j'avais ce chiffre depuis euh, depuis 1992. En fait, on a cramé plus de fossiles que toute l'histoire. Ah bon En voilà. oh, l'espace de 25 heures voilà. Donc on est sur, on est toujours sur cette accélération. Et puis as d'autres trucs qui est que euh, la Chine a consommé plus de béton en deux ans, je crois que c'est 2014-2015 que toutes les États-Unis au XXe siècle. As, euh, tu, tu regardes tous les chiffres, on, est, on continue, si tu veux, On continue chaque année, chaque année de battre les records d'émissions, chaque année de battre les records de nombre de produits fabriqués. Là, tu as un truc qui est sorti sur Shane, euh, tu vois, euh, qui, euh, ou Chain, je ne sais pas comment on dit, mais... Je sais pas comment on prononce cette voilà, marque mais Chain, qui, ouais. qui, qui produit euh, mille fois plus de produits qu'un HM ou qu'un Zara. Enfin, on, on est encore là-dedans, si tu veux. Et on est dans cette espèce de feu d'artifice. On fait la Coupe de Qatar, on va faire les JO de, on a fait les JO de Pékin, on va faire les, voilà, les Jeux d'hiver asiatiques en Arabie Saoudite. On va déminer on... miner les astéroïdes, on va aller sur Mars. Non, mais on aussi. est encore, si tu veux, dans cette accélération euh, ouais. de la société parce, qu parce que c'est ce qu'on sait faire, parce que c'est le but. Encore une fois, c'est le but du jeu, de loquer le truc, de, de produire de plus en plus de trucs. Ça fonctionne encore, pourquoi Ça fonctionne encore parce qu'on a euh, encore du pétrole. On vient de passer le pic pétrole. Donc la question va se poser de savoir, bah, est-ce qu'on peut continuer à jouer comme ça quand euh, l'énergie qui, euh, qui est partout en fait on, dans tous les transports, qui conditionne toute la mondialisation et tout le jeu, va devenir de plus en plus rapide ça ça, 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 ça va se faire. Facile, déjà. Et ça va se faire relativement euh, rapidement, mm. si tu veux. Après, ça dépend de quel échelon on part. Hein, vite, ouais. est-ce qu'on fait a une, une vie, une génération, euh, et en vrai même euh, non, 40, 30 ans C'est voilà, extrêmement, extrêmement rapide. Et puis, euh, tu as autres, les autres limites, c'est-à-dire le les règlements écologiques commence déjà à se faire sentir et on voit que c'est aussi très rapide finalement. Tu vois, il y a des prises de conscience chaque année canicule on voit que ça va beaucoup plus vite même que ce qu'on avait imaginé parce que ça crée, ça crée des boucles de rétroaction. Donc, il est très probable que ça se dérègle de plus en plus vite et il est très probable qu'on continue, tant qu'on peut, de, de consommer le plus possible parce que c'est parce que loqué. Okay. Donc, après, comment ça se manifeste Parler d'effondrement euh, civilisationnel, il y a déjà, ça craque déjà en fait, il y a déjà des, plein d'endroits où ça craque à cause du climat, à cause de l'écologie, à cause de l'économie qui, qui s'effondre, euh, etc. Et puis l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on arrive à faire cette accélération parce qu'on crée de la dette. C'est pour ça aussi qu'il faut comprendre le jeu de l'économie et le jeu de la finance. Et en, en gros, depuis, je crois, 1970, à partir du moment du, du, du pic pétrole, on a créé chaque année dans le monde plus de dettes que de PIB. Donc, on est de toute façon Alors, sur -régime, dans le système. La sur régime. C'est du sur-régime, sur ça dépend comment tu définis. C'est du sur-régime, en tout cas, pour le, pour, le, pour le terrain de jeu, pour le système Terre. Mais c'est surtout artificiel. Ouais. C'est-à-dire enfin on sort de Bretton Woods euh, début des années 70. Donc, on, on, on crée une, une capacité à pouvoir créer de la monnaie autant qu'on veut. Voilà. Puisque c'est plus euh, pégé à l'or, c'est plus, ça dépend plus de l'or. C'est plus basé sur tes capitaux disponibles. C'est plus basé, basé sur, sur l'or. Bretton Woods, c'était on associe le dollar à l'or et voilà, donc oui. pour pouvoir émettre des dollars, pour avoir des stock en, en voilà, quelque est sorte. Sorti de ça depuis longtemps. Donc excuse-moi, mais c'est important pour les gens qui sont un peu défiés là-dedans. Ta monnaie basée de base sur un capital existant de matériaux. L'or. Voilà, C'était une manière de faire pendant longtemps. Voilà. Et qui est passé à OK, on oublie l'or, on s'en fout. Ça veut que ça ne vaut quasiment plus rien par rapport au montant de la dette. Ouais. Et on se dit OK, on emprunte de l'argent illimité pour les générations à venir. Et c'est très intéressant de comprendre, de comprendre ça aussi. C'est un, un point fondamental dans cette histoire d'accélération, parce que si tu étais resté avec une monnaie liée à un bien physique, tu ne peux pas avoir cette croissance exponentielle parce que tu ne peux pas créer autant de dettes. Ça dépend, de, de dette. ça dépend de, des matériaux disponibles. Voilà exactement. Tu as un lien avec le monde physique et ce qui fait dire d'ailleurs aux adeptes du Bitcoin qu'il il euh, y a quelque chose là-dedans à chercher parce que le Bitcoin c'est rien avec l'énergie donc euh, voilà. Il reste ah ouais. Bah, de, euh, voilà. Bitcoin le euh, voilà. Bitcoin ne va pas durer alors si on, on en ouais. Non mais c'est intéressant parce que tu vois que c'est limité. limité mm -hmm. voilà. Donc c'est un retour si tu veux à une forme des, de lien avec le monde physique. Euh, petite digression. Mais à partir de ce moment-là, on a commencé à créer de la dette et de plus en plus de dette. Et aujourd'hui, on est en mode feu d'artifice, notamment depuis 2008 avec euh, la, la crise des subprimes et encore plus avec le Covid. Il faut se rendre compte que depuis deux ans, ces deux dernières années, deux, trois dernières années, on a créé tellement d'argent, on a imprimé tellement de dollars notamment, que tu as la moitié des dollars en circulation dans le monde aujourd'hui qui ont été créés ces deux dernières années. La moitié des, la des, moitié des moitié dollars dans des des dollars, le dollar, monde Le reste a été créé sur ces deux, deux dernières années. années. Ah ouais. Tu fais l'analogie avec le, le béton, euh, tu apparais sur la dette. Et ça, ça nous permet de ne pas voir ce qui est en train de se passer. Ça permet de continuer ah. à croître. Parce qu'en que, en fait, on a de là, tu payes le salaire des gens, mais tu vas aussi faire des projets d'investissement, tu vas aussi aller gratter des trucs euh, absolument pas rentables, si on n'avait pas ça, d'ailleurs qui ne sont pas rentables même avec ça, qui sont le gaz de schiste, euh, les sables bitumeux, donc d'aller gratter vraiment les fonds de cuve, que, qui, ça coûte très très parce cher. vrai, ouais, on, on crée de l'argent, on, on, on injecte voilà. le, le robinet cool. Mais tu fais ça pourquoi pour, En plus, c'est très très condensé, pour, 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 d'abord c'est complètement capté par un nombre très très faible d'individus, D'où le nombre de milliardaires qui explosent. Mais ça permet aussi au global, si tu te places au niveau civilisationnel, de continuer à faire tourner la machine, de continuer d'aller couper des forêts, etc. Ça coûte cher. Mais maintenir un système de domination aussi sur les ressources. Et, et d'alimenter voilà, cette machine qui a, qui, qui, qui a ses défauts, qui fait que bah, c'est faire plus de captation de valeur, plus d'extractivisme, en fait. Tu peux voir ça, en fait, comme la dette, comme une manière d'élargir ta paille. Pour aller choper tout ce qui reste au fond, là, les fonds de cuve, le plus rapidement possible. Donc tu continues. Mais sauf qu'à un moment donné, il bah, y a vraiment tout d'un coup plus rien. Donc quand tu parlais de la rapidité du Sud, c'est la, la falaise de Sénèque, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, un système qui se déstabilise rapidement, qui se déstabilise, un système complexe, ça peut partir très très vite. Ça crée des émergences, ça crée des événements totalement inattendus dans le système, et où ça crée une déstabilisation rapide parce que tu as des points de bascule, etc. Et en fait, on ne le voit pas, notamment une des raisons pour lesquelles on ne le voit pas, c'est parce qu'on a encore un peu d'énergie fossile et qu'on a cette dette qui nous permet de faire tourner la machine. Mais en fait, la dette, c'est quoi C'est l'hypothèque de l'avenir. Mm -hmm. C'est-à-dire tu t'empruntes aux générations futures, en fait. Tu dis, bah, on vous remboursera plus tard. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on. Qu Ils vont de... qui vous rembourser sur de la dette. Enfin, Il est limité, ce truc. Mais donc, à un moment donné, tu en as qui te disent, on peut y aller, tant qu'on veut, etc. Ah oui, des 4000. milliards qui te disent, mais à un moment donné, une dette, ça se paye d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on la paye, on utilise cet argent pour extraire oui. pour détruire pour détruire la nature pour extraire des choses pour transformer le monde l'économie c'est la transformation du monde en fait c'est le PIB c'est une mesure de combien des des de, de combien tu brûles mmh. indirectement si tu veux et, et ça ça crée des services des richesses etc mais du confort et, et du confort et il, y santé, choses, en fait, il y a plein de choses il y a plein de choses positives ouais, aussi bien, sûr, dedans, bien sûr. sûr mais en fait nos systèmes ce qu'on qu crame là ce qu'on vient extraire là c'est autant de choses que les générations futures n'auront pas, et donc de toute façon cette dette ne pourra pas être remboursée, parce que c'est pour pouvoir la rembourser, il faut créer de la valeur. Tu vois ce que je veux dire Et tu n'auras plus de quoi créer de la valeur, parce que tu, ton système pour créer de la valeur a besoin d'extraire. Donc on est en train de, de on est en bout de course par rapport à tout un tas de choses, et tu, et tu, et tu regardes, donc quand tu regardes la finance, bah, ok, on a, tu vois que ça commence à craquer, tu vois que tu commences à avoir des trucs totalement excessifs, et c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'au moment où on arrive au bout, on devrait devenir plus raisonnable, on devrait se dire on va faire gaffe à nos ressources quand même, il n'en reste plus beaucoup. On va faire gaffe à, à tout cet argent qu'on crée, on va faire gaffe à le bien le dépenser parce que, quand même, on imprime des milliards chaque année. On va faire gaffe. Bah, tu fais quoi Tu fais des stades climatisés, tu fais. Euh, et puis tu t'envoies tu tu dans l'espace, tu fais des missions Spice Side, tu fais des trucs. Euh, oui, tu construis euh, un nouveau supermarché. Tu restes dans ce terre, truc à, à la course à l'ultra-puissance pour certains et avec la promesse que euh, vous aussi, vous pourrez y accéder, vous pourrez avoir la fast fashion, etc., et avoir l'air cool parce que vous changerez de frein tout le temps, quoi. Et donc on est vraiment, pour répondre à ta question, à ce moment où, euh, un moment décisif, je pense qu'il va se passer dans les... On ne rien, tu vois, c'est difficile de faire des prédictions, Entre 10 ans, 20 de... ans, 30 ouais. ans, 40 ans, 50 ans, à la fin du siècle, on ne rien, mais quand même... Mais Majora a dit que c'était entre maintenant... En hein, minos mais... c'est les années 20, tu vois. Mais... Donc on est à ce reconning, comme on dit en anglais, où, euh, ok, il est probable qu'à un moment qu'on ait un basculement de... Mais pas partout pareil, pas pour tout le monde pareil, évidemment. Et que euh, pour l'instant, malgré tous les beaux discours, malgré les COP pour le climat, malgré euh, euh, cette, euh, ce que certains vont écrire comme une prise de conscience généralisée ou une génération climat, la, la tendance ne bouge pas. Pourquoi Parce que les structures ne bougent pas. Qui va faire bouger les structures Comment elles bougent Waouh <laughs> J'adore. Ça va T'es bien T'es posé um... Cette course en avant, euh, ouais. c'est mon éco-anxiété et celle de certainement beaucoup de personnes qui regardent. Parfois, on se réveille le matin avec euh, un effet vertigo sur nous. Tu sais, tu connais cet effet vertigo ouais, ouais. au cinéma. Hein. Zoom avant et en même temps. Tu ouais, en on... même temps que tu et, et en même temps, tu recules et vice-versa. Donc, exactement, ça, ça crée un effet pour... où on, on, on bascule. Quoi. On a vraiment l'impression de, de, de prendre conscience de, de, de la mesure des choses. Mais effectivement, euh, ça ne met pas en confiance, surtout dans un contexte géopolitique quand même de plus en plus sérieux avec la Russie et la Chine, Europe, mmh. Amérique, et, et on sent que sur le, les, les dernières ressources et énergies, etc., Taïwan reste une stratégie euh, qu'il faut préserver le plus possible. Au Chinois, on est complètement dépendant. et encore, je ne sais pas, je me positionne de nouveau avec mon prisme occidental. Mmh. Euh, mais c'est chaud, là, ces, ces nouvelles grosses puissances qui ouais. sont en train de de se mettre en place tout doucement, mais sûrement. J'imagine que tu en as déjà beaucoup parlé. Ouais. Euh, là, ça, c'est un truc qui est quand même très inquiétant. Bah c'est le jeu géopolitique. On passe sur un autre jeu qui est lié aux autres et qui est le jeu des nations. Je peux le dire. Les nations, entre elles, qui sont elles mêmes dans leur quête de puissance. Bah, on veut maintenir notre puissance parce que euh, soit pour un, un dictateur, un autocrate. Euh, bah, il veut maintenir la puissance, parce ça. que si t'as pas la puissance, c'est les autres qui te bouffent de toute façon. Oui, enfin, là ça vient de... Pareil, tu peux... C'est là que tu rejoins aussi l'importance du culturel et des croyances et la manière de voir le truc. T'as des nations qui sont pas beaucoup moins dans cette quête de puissance, mm -hmm. mais on est très bien comme on est. Ouais. On veut juste préserver l'intégrité de notre territoire, donner à bouffer notre population. C'est pas parce ouais. qu'ils ont pas beaucoup de ressources. Donc des ressources limitées comparées aux plus gros. Bien sûr, parce, parce que souvent ils... tu regardes, c'est des grands pays avec très bah, ouais. populations. Chine, Russie et États-Unis, c'est quand même ceux qui ont le alors, plus de ressources. Alors, t'as as bien... d'accord, d'accaparement des ressources, des richesses. Ouais, mais bien plus, sûr. Ils... Et évidemment, tu as un lien entre la puissance d'un pays, qu'on va définir comme la capacité à, d'une part, se maintenir, et d'autre part, à peser sur la marge du monde. Mm -hmm. D'abord sur ses voisins, et puis une superpuissance comme les États-Unis à, à décider des règles du jeu international. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas faire, qui on finance, qui on finance pas, etc., etc. Euh, Et puis avec, et donc as, tu, tu as certaines attributs de cette puissance qui sont connus, qui sont classiques. Est-ce est que j'ai la monnaie mondiale? Euh, Est-ce que j'ai l'armée euh, qui domine les autres euh, Est-ce que j'ai une domination culturelle euh, etc., Tu as, as, as plusieurs attributs comme ça de la puissance. Puis dans le cycle des puissances, c'est intéressant, c'est Ray Dalio qui a écrit un bouquin intéressant là-dessus, qui te dit qu'il y a 7 ou 8 attributs principaux, et tu les vois que ça fait des cycles. Il a étudié la puissance anglaise, puis euh, enfin, hollandaise, puis anglaise, puis américaine, et tu retrouves les mêmes composantes. Donc c'est intéressant de voir aussi, c'est le même jeu auquel on joue. Et il se trouve qu'aujourd'hui, bah, on est dans un monde où... Euh, donc, euh, il y a cette composante énergétique, et cette composante militaire, cette composante euh, culturelle, qui est évidemment fondamentale. Donc, il y a toujours une composante énergétique dans la, non, pas toujours, mais dans la plupart des guerres entre grandes puissances, il y a une composante énergétique. Euh, par exemple, donc, tu cites euh, as une citation de, euh, de Hitler notamment, qui justifiait l'invasion, enfin le retournement, euh, l'opération Barbarossa contre la Russie avec euh, le fait qu'il fallait absolument aller choper les pétroles de Bakou. Mmh, que c'était ça le nerf de la guerre et que c'est là tout se jouait. Donc déjà, tu vois, à cette époque-là, il y avait évidemment une conscience de ça. Le fait qu'ils n'aient pas pu arriver à déterminer leur capacité à produire euh, des carburants, enfin, il y a tout un tas. De... Tu peux regarder vraiment. Euh, c'est lui de Mathieu aux ajouts là-dessus. Bon, STR en jeu vidéo à la des voilà. conquer c'est que ce qu'il faut chauffer, c'est les ressources. Ah, et si t'envoient toutes tes raffineries le plus vite possible à n'importe quel jeu vidéo de ressources bah, et, que tu, et que tu maîtrises plus que les autres. Tu gagnes la partie. Voilà. Ça, tous les jeux STR fonctionnent comme ça. Bah, parce Ils ont pris en compte de... cette réalité que, que ça faisait partie du, de la puissance. C'est des jeux de guerre. Hein. STR, pour ceux qui ne savent pas, euh, voilà, c'est voilà. jeu de stratégie en, en temps réel, un truc dans le genre. Et... Mais c'est vraiment pour dire à quel point c'est déterminant. Mais, mais donc, du coup. Et donc, la géopolitique, pour te, pour te répondre là-dessus. On est au... c'est pas forcément directement lié, mais certains on peut le dire, mais on est à ce moment où il se trouve que tu as une puissance chinoise qui a émergé, qui conteste la, la, la domination américaine, on a une période de relative, relative stabilité avec la puissance américaine qui impose ce, tous ces règles ce, du ce, ce jeu. Et donc, ça a créé des nouvelles tensions, une guerre pour la domination mondiale, les ressources, sur fond de raréfaction, sur fond de euh, développement de nouvelles armes euh, totalement délirantes, euh, donc avec un changement des règles du jeu de la guerre mmh. aussi, où ça devient spatial, où ça devient super véloce. Euh, ou, euh, la même, destruction euh, massive. ou même l'équilibre de, de la terreur nucléaire est en train de se défaire parce que tu en as qui commencent à développer des boucliers. Enfin, tout ça est en train de bouger. Donc, effectivement, tu te dis bah ok, dis vous allez pas vous arrêter à jouer ce putain de jeu de la, de, de la guerre et de la puissance bah ben non, en fait, c'est. C'est à ça qu'on joue depuis ben, le départ. Ben en fait, c'est ça, parce que ce n'est pas simplement le jeu de la vie, ce dont on parle. C'est intéressant d'amener à ça, tu vois, parce que tu peux effectivement faire le parallèle en disant Mais les bactéries, les tout. jeux des espèces, c'est que. Oui, c'est de se bouffer, c'est une lutte. Loi de la jungle. Pour l'énergie, loi de la jungle, ou une manière de coopérer, si tu veux, qui fait partie de, de, de l'écrire, mais c'est compétition, coopération, quête de. Je te disais, deux objectifs survivre, se reproduire, donc euh, rester, et puis maximiser sa puissance. Et en fait, c'est intéressant de revenir à ça, parce que tu vois que tu n'échappes pas à ça. Et ce qui est flippant, c'est que normalement, toutes les autres espèces ont rencontré des limites. Parce que c'est plutôt bien foutu, la nature, et que donc, à un moment donné, une espèce qui déconne trop et qui va euh, devenir trop puissante, une espèce invasive, bah, sa population va réduire au bout d'un moment, parce qu'elle aura tout mangé, euh, parce qu'il n'y aura plus rien à faire. Ou alors, ça s'est organisé très progressivement, et donc tu as des dictateurs... T as, t as, tu, as des, tu as plutôt t as, t as une logique, tu as des prédateurs pardon, ouais. qui se sont mis en place et que les prédateurs ont besoin de moins de ressources et donc ils se reproduisent moins vite et donc il n'y en a pas trop, ça pas. Donc il y a un équilibre hyper fin qui s'est mis, mais quand tu vas dans le détail, c'est en permanence. C'est la guerre, quoi, ça se bouffe, etc. Quoi. Et nous, on est une espèce. Et c'est sans pitié. Hein. De, et on, ben bien sûr, parce qu'il n'y a, a pas de morale. Ouais. a pas de morale, c'est un truc c'est un concept, c'est inventé la morale. Et euh, il n'y a pas de bien, pas de mal. Tu te survies, tu survies et tu, tu, tu vis. Ouais. Et il se trouve que nous, bah, on est cette espèce qui a trouvé le moyen de hacker le jeu. On s'est dit, bah, ok, bah, en fait, nous, a... c'est très, très particulier, c'est quoi, quoi la particularité de, de l'humain comme espèce D'ailleurs, c'est pas clair. Hein mmh. C'est le pouce opposable, c'est le fait d'être de, debout, c'est le langage qui permet de raconter des histoires et donc de coopérer plus. Il y a plein de choses, c'est la conscience, une, un type de conscience. Et euh, mais le fait est qu'en fait, on a émergé, et puis au bout de, de 300 000 ans, on a fait un truc qui s'appelle la civilisation, qui est une autre manière de jouer, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant 300 000 ans, on a joué tranquille. 150 maximum, dans des petits groupes, ouais, et euh... puis... T es, t es, voilà, exactement. Donc, on a quand même anéanti néandertal, ou Enfin, pas non, mais pas tranquille, que nous, ce que je mais... veux dire, on n'avait pas trouvé le moyen. Le hack c'est cette civilisation, ça a été le surplus énergétique. Exactement, ouais, ouais. Et qui a permis, et puis l'invention qui a permis de supporter le surplus énergétique, qui permet d'autres inventions, qui permet d'autres histoires, qui permet, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui. Mais tu peux très bien considérer, in fine, que euh, c'était une énorme erreur. Mm -hmm. Parce que t'en arrives à, se, à faire une espèce qui ne, qui s'affranchit des limites imposées par la nature, et qu'on est vraiment à ce moment où, on est en train de se dire, on pensait s'affranchir. Sauf qu'en fait, le terrain de jeu, il est ce qu'il est. Et donc, ce qui se passe quand tu as une surpopulation, c'est le test du rapport midose. Ouais. Tu redescends dans, les, dans le cadre des limites planétaires. Donc, ça. descendre de l'économie, de la population et de ces trucs-là. Plus de et, morts ou une espèce de vie qui baisse. Et comment ça se fait Est-ce que c'est violent ou pas Ça dépend des endroits. Voilà. Euh, Est-ce que c'est autocontraint est-ce qu'on est capable de créer une culture d'autocontrainte rapidement? Je pense pas. Je euh... pense penses pas qu'on est capable, nous, de, 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 créer un, des récits, justement, dans ce sens-là? Non, je pense pas, parce que je pense que c'est. Tu le fais à quel niveau? Tu le fais au niveau mondial. Ah, il faut que ça se passe au niveau mondial, tu mais te alors il faut te... que ce soit interculturel, interlangue, inter. Tu me dis par quoi ça passe? Hein. Interreligion. Ah, bah, bonne question. Ça passe peut-être par des situations de choc intense. Voilà. Pour revenir à ce truc-là, souvent, Très les systèmes intense. bougent et tu regardes dans l'histoire, ça bouge de manière nette. Quand tu as quelque chose qui se passe souvent, alors net, ça dépend à quelle échelle tu te passes, mais le plus probable, si tu veux, c'est que s'il se passe comme, euh, comme on l'a toujours fait, enfin, qu'on fasse comme on l'a toujours fait, c'est que tu réagis quand tu as des chocs. Quand tu as des chocs et que tu es face à des, à des sujets qui t'obligent qui à bouger. Et c'est là que tu trouves des ressources inattendues, que tu trouves des manières de coopérer de manière inattendue. La difficulté, c'est que finalement, ce qui nous arrive, c'est relativement lent aujourd'hui. Oui, dur de le percevoir. Il dur à le percevoir. On le voit toujours pas. On a une canicule chaque année là en Europe, euh, machin, et puis on est toujours à dire oh, sécheresse, oh, 28 degrés en hiver. Voilà, sécheresse, sécheresse absolue au-dessus euh, de la France. Euh, alerte, alerte, alerte. Euh, D'où les films Don't Look Up qui met alerte, alerte, alerte. Mais tant que notre quotidien n'est pas impacté de manière drastique et que le robinet coule toujours, bah, tu le sens pas. En fait, parce on, on, on est, est très mal. C'est qu'on a une termiste. difficulté déjà probablement cognitive à penser le court terme et une difficulté structurelle sociétale. À nous organiser pour prévoir le long terme. Les élections se font sur 4 ans ou 5 ans, euh, aucun intérêt à planifier sur les 20 oui. prochaines années. C'est ça. Tu vois donc on est, donc on, est, on, on est dans cette difficulté à. Il euh, n'y a pas de gouvernement mondial alors que les enjeux sont mondiaux, je ne sais même pas si c'est souhaitable, euh, y a pas de, je ne sais même pas si c'est faisable si tu veux, et puis on continue à aller là-dedans. Donc, voilà, probablement un moment très intéressant, effectivement, en termes de civilisation. Est-ce euh, que c'est ce fameux deux event comme ils disent un petit peu les, les milliardaires de la Silicon Valley J'en sais rien. bon, mais... ce, euh, c'est difficile de le percevoir. Mais, hein. mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que moi, je reste sidéré de voir que tous ceux qui sont les tenants du... Il euh, n'y euh, a pas de problème, on va trouver des solutions, le génie humain est sans limite. Le, je peux me tromper, hein, évidemment, parce qu'il y a des choses totalement étonnantes où le jour m'a sorti, mais l'intelligence artificielle, maintenant, tu vois, tu es, c'est incroyable, peut-être. Mais ne vois pas le pari énorme que c'est de faire ça. C'est-à-dire que tu paries que, euh, soit euh, que un problème comme le climat, qui est mortel, si tu veux, va être résolu parce qu'on s'en est toujours sorti. Et à chaque fois, je suis étonné, mais quand même, ça ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que, montre-moi par où ça passe, parce que là, vraiment, on n'a rien. C'est un construit d'après-guerre, quoi. Et en fait, dans, pour moi, c'est surtout que tu es dans une forme de déni total, oui. et que tu ne veux pas regarder. On le voit tous autour de nous. Hein. C'est la première phase aussi du, du deuil, entre guillemets. C'est aussi le processus que je fais dans le bouquin. C'est une forme, de, je fais voyager dans, dans ce processus-là, où tu euh, bah, as déni avant prise de conscience, déni après prise de conscience, puis après tu te mets en colère, puis c'est pas possible. Et puis après, voilà, tu passes par la dépression, et puis tu remontes vers euh, la construction d'autre chose. Euh, Dites-moi où est-ce que vous en êtes en commentaire et, euh, et c'est là-dessus je réfléchis un peu à la fin, c'est qu'est-ce que tu fais de tout ça Parce qu'une fois que tu as posé ça, mmh. une fois que tu as dit euh, « Ok, en fait, c'est vraiment un briquet, c'est pas si simple que ce qu'on croit, j'ai compris qu'il fallait s'écouter et que j'avais peut-être pas toute la vérité. » Ce qui est intéressant, c'est de poser la question en tant qu'individu, comment tu traverses ça Comment tu traverses l'époque et qu'est-ce que tu fais, toi, dans ton jeu personnel Alors, dans tout cet amas d'informations... Que... Il y a pas mal de choses. Ouais. Ah là là, c'est sûr qu'on n'y comprend rien. Euh, mais on a réussi à y comprendre et d'y voir un peu plus clair. Toujours à travers la reprise, moi j'ai bien aimé le fait que tu dises au début que voilà, tout est il voilà, y a plusieurs lunettes et que chaque personne porte des lunettes différentes et qu'il n'y a pas de, ré... de vérité suprême. Hein. Newton et puis Einstein a, a complètement dépassé Newton. Euh, et sans doute que si on creuse un peu plus loin, on découvrira d'autres nouvelles choses. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut non plus... Oui, Newton, ton... ça continue de marcher très bien. Hein. Ça continue de marcher très bien. Euh... C'est plus euh, là maintenant parmi toutes ces informations qui donnent mal de tête et à la fois qui font du bien, si tu as un conseil vraiment à donner à, à toutes ces personnes qui découvrent cette vidéo, qui... Vont bientôt, peut-être, j'espère, choper ton livre, qu'on mettra en description. Bah alors, déjà, c'est très difficile de résumer euh, tout ça, parce que, comme je t'ai dit, un, ça fait 300 pages, donc c'est un, un parcours. Et le livre, je l'ai fait exprès, plutôt léger, découpé. Il y a un caractère 11, comme hein. <laughs> Comment <laughs> Caractère tronche, petit caractère. Hein. Ouais, petit caractère, mais t'as vu comme c'est découpé, c'est ouais, voilà. super agréable à lire. C'est ça que je voulais dire, en fait, c'est que ton livre a vraiment une âme. Euh, tu le lis, on sent vraiment que t'es là, et c'est comme si tu me parlais, quoi. Et j'adore ce, ce format-là. Merci. Euh, bah, c'est un peu à la fin que je réponds à ta question, donc c'est un peu, c'est compliqué de d'aller là-dessus, mais je on peut proposer même... aujourd'hui sur le livre et tu me dis rien, pas de problème. Hein. Non, mais je te, te donne un peu s'occuper de d'ouverture. C'est-à-dire euh... c'est s'occuper de soi, être je, attentif, agir. Je vois de choses choses hein. Non, mais je pars du principe que déjà, encore une fois, peut-être que je me cours complètement. Alors, en tout cas, ça a marché pour moi, et je parle de mon expérience personnelle là-dedans, parce que c'est mon processus. Hein. Mais de toute façon, ça ne va pas avoir un impact sur le monde et sur la société. faut pas. Alors, je ne fais pas d'illusion là-dessus, mais, mais je, je suis parti du, de, de cette idée, pour l'avoir vécu, que c'est quand même mieux de le traverser ça et d'y aller vraiment, c'est-à-dire oui. d'être lucide sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, plutôt que de mettre tout sous le tapis, parce que, en fait, ça va nous péter à la gueule, parce que ça arrive, parce que, et on le voit autour de nous tout le monde commence à le voir, donc, donc petit à petit, ah, tu mets sous le tapis, c'est bon, c'est bon, ça change pas et puis t'as la guerre en Ukraine, ah, c'est bon, ça ne change pas et puis t'as la canicule, et puis non, c'est bon, ça va et puis demain tu auras euh, l'essence à trois balles, euh, un truc comme ça et tu as tout un tas de choses, et c'est déjà dans le dur, en vrai, pour tout un tas de gens qui voilà, sont déjà là-dedans, encore une fois quand, es, quand on est privilégié, euh, quand on est classe moyenne française, etc, il y a plein de choses qu'on voit pas et donc moi j'estime que c'est intéressant de faire ce processus confortablement Tant que ça va, tu, tu vas là-dedans, tu es lucide, tu fais ce truc-là et tu le traverses. Et une fois que tu es lucide, tu n'es plus à même, finalement. Il y a des périodes difficiles, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à intégrer. Mais, tu, mais, mais après, tu peux avancer, tu peux progresser, mm -hmm. et tu peux intégrer ça dans tes choix de jeu, dans mm -hmm. tes stratégies. Tu peux intégrer ça dans la manière dont tu vas parler aux autres, en disant OK, on est tous embarqués dans le même truc. Je ne prétends pas avoir totalement raison, donc je vais t'écouter. Parce qu'in fine, ce qui compte aussi dans la période qui arrive, c'est d'être cap capable de s'entendre, d'être capable de ne pas se taper dessus. Et donc de continuer de faire société, quel que soit le résultat. Et finalement, et peut-être que tu peux aboutir, et certainement qu'il y a des sociétés qui vont très bien vivre euh, ça parce que euh, elles auront, elles sauront créer les, les systèmes, les manières de, 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 de s'ordonner, les histoires qui font que ça ne pète pas. Tu vas en avis Non, mais t as, t as des endroits où voilà. Et ça dépend d'où tu pars aussi. On n'est pas tous, toutes les nations ne sont pas égales par rapport à ça. Mmh. Ouais, C'est un autre sujet. Mais euh, donc as ça. es un sortir du déni pour rentrer dedans moi j'ai plutôt ce que je conseille de faire et après le, se détendre parce que finalement tu peux te dire c'est qu'un jeu c'est à dire ok je suis là ça va je, 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 jusqu'ici tout va bien si tu veux et, euh, et, et, et j'ai plein d'autres manières hein. de... oui ça intéressant, j'en parle dans le truc mais euh, je fais référence à ça mais euh, mais mais finalement c'est euh, c'est une invitation aussi à re-questionner les essentiels c'est un peu bateau de dire ça tu vois mais à, à re-questionner euh, bah, sa manière de jouer et, à, et de se dire que euh, bah, finalement peut-être que cette manière là qu'on m'a proposée jusqu'à présent elle va nulle part et qu'en plus elle n'est pas forcément satisfaisante donc qu'est ce que ça veut dire pour moi donc et après moi donc à la fin je propose des réponses pour moi donc ça passe par le stoïcisme euh, qui est une manière de comprendre euh, ça c'est avoir le donne moi donne moi le la force de euh, d'accepter ce que je ne, je ne maîtrise pas le courage de euh, de changer ce que je peux changer, et puis euh, la sagesse de faire le tri entre, euh, entre les deux. C'est une citation de Marc Aurel, c'est le stoïcisme. Mmh. Ça vient, ok, je ne suis pas le monde. Ça fait du bien, le stoïcisme, c'est de l'humilité un peu, en quelque sorte. C'est de l'humilité, c'est de la lucidité. C'est à dire que c'est pour ça que je finis tous mes épisodes par euh, changer le monde, quelle drôle d'idée. C'est qu'au bout mmh. de moment, on se détend. Le, on, le monde, il n'est pas là, si tu veux. On y va, on essaie de faire des trucs, parce que c'est ce qu'on a envie de vivre. Parce que c'est soit cool, il faut que, que, ce cool, faut que, parce tu que choix, finalement soit finalement euh, comme tu dis. Ouais, et puis, et puis finalement, où on n'est pas à l'abri d'avoir des émergences dans un système. C'est-à-dire que tu, peux, tu vas pousser dans un coin, il y a des choses qui se passent, il y a des sociétés qui bougent parce qu'il y a des gens qui ont poussé. Ça ne se passera peut-être pas au niveau mondial, mais il y a plein de choses qui jouent au niveau d'un territoire. Mm -hmm. tu vois. Et peut-être même que si plusieurs territoires. Il y a toujours, tu ne sais pas. Mais, euh, mais par contre, ce n'est pas d'y aller en se disant il faut absolument que j'y aille parce que sinon, le climat. Tu vois. Le, climat, le, climat quoi. le climat est un symptôme. C'est un symptôme déjà. Et puis surtout, qu'est-ce que tu veux vivre C'est pour ça que je ramène ça au niveau de, du, du jeu et de l'individu en disant Ok, calme-toi, ça va. Tu vois, le, le, pour l'instant, en tout cas, surtout dans nos contrées, c est, c est, ça va, ou, ou ça va aller, ou ça va être dur, mais ok, on, on, on se ressent sur des choses euh, peut-être plus essentielles. Et donc, comment on réfléchit à ça donc, je partage juste mes réflexions à moi sur ce que ça veut dire pour moi. Encore une fois, je déteste les il faut j'essaie d'évacuer tout le temps ça. Et euh, donc, le, le message est plutôt euh, Je me donne le droit de. Je me donne le droit d'eux et, et ma croyance, si tu veux, mon petit truc, c'est de dire, ok, est-ce qu'on peut juste arrêter de se gueuler dessus, s'écouter et essayer de se comprendre et de voir d'où l'autre parle, ce qu'il pense, pourquoi il pense qu'il pense. Et là, il y a peut-être des choses intéressantes qui peuvent se passer. Julien, merci d'être venu ici sur Limite. C'était très, très cool. Merci à toi. Allez choper ça et puis n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager cette vidéo. Et allez écouter sismique De très très bons épisodes là-bas. Ouais que nous deux trois contacts. Hein. Un peu de plaisir. Hein. Quand tu veux. Quel Quelle est, quel est ta définition du réel